Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur AstroTerre, en tout cas sur des logiciels aussi passionnants que Photoshop et Tilset, et peut-être même qu'on fera du tableur, waouh. Et bonsoir à vous qui avez le courage d'affronter un stream comme celui-ci. Salut Mickaël, salut Kiruval, salut Kukito, salut Samduk, salut le Seigneur des Anneaux, salut Louis, salut Alex Pur, salut Charivari, bienvenue à vous toutes et tous, bienvenue pour ce stream où on va faire du graphisme essentiellement, on va créer des petits éléments de texture pour un futur jeu de rôle Minecraft, voilà. Et salut le monde, bienvenue. Alors, au chapitre des petites choses, toc, voilà. Nous étions arrêtés lors du dernier stream sur les textures de terrain où on avait fait pas mal de boulot. On avait notamment bossé sur l'eau et ça c'était super cool parce que ça permettait d'avoir des effets comme ça. Hop. Donc si je vous montre un petit peu ce qu'on a bossé la dernière fois, on arrive maintenant à avoir des effets comme ça avec l'eau. Donc si je me mets en mode terrain et que je rajoute par exemple de l'eau très profonde, eh bien voilà ce que ça fait. Si je veux rajouter un peu d'eau profonde, voilà, peu profonde pardon, et si je veux rajouter de l'eau profonde, voilà ce que ça fait. Donc les transitions se font de manière un peu plus smooth. Et c'est pas mal du tout. Donc ça permettra de faire des fonds marins assez cool. Oui, c'est Winnie l'ourson. Et c'est lui le philo du 70, bienvenue à toi. Donc ça c'était pour les transitions de la flotte. Mais on avait aussi rajouté pas mal de blocs, notamment les pistons, les bibliothèques. On avait rajouté pas mal de choses. Donc là il y a des essais qui partent dans tous les sens, hein, évidemment. Parce que du côté des objets, voilà, on en est là. Donc on a rajouté un peu de redstone, un petit peu de blocs de métier. Et après, on n'avait pas trop bossé sur tout ce qui est architecture, donc les murs essentiellement. Et salut Belsix. On n'avait pas bossé non plus sur la flore, tout ce qui est végétation. Et j'ai créé un nouveau fichier qui va nous permettre d'ajouter tout ce qui concerne l'End et le Nether. Je pense que je vais faire des textures à part pour l'End et le Nether. Et au niveau du sol, du terrain, il y a des choses qui ne me plaisent pas au niveau de l'organisation du fichier. Et là, la texture de l'herbe, je ne suis plus très très convaincu. Je suis plus très très convaincu. Donc à mon avis, on va laisser un peu de côté le terrain pour ce soir. Sauf à rajouter déjà ce que vous m'avez envoyé. Mickaël m'a envoyé plein de trucs. On va rajouter ça. Sachant que ça là, normalement c'est dans le Nether. Mais... Ouais, je sais pas si End et Nether... En fait... j'ai peur de surcharger un petit peu ce fichier si je mets tous les terrains là-dedans, mais peut-être pas.
Alors, ce que je voulais faire en termes de réorganisation, c'est qu'ici on avait mes vieilles tentatives pour les transitions que je vais flouter parce qu'on va plus les utiliser en fait. Donc je vais pas les jeter parce que je veux pas les perdre au cas où j'ai besoin de les refaire. Par contre, on va les faire disparaître provisoirement. Et salut mes lunettes. Salut BF, bienvenue. Et donc, hop, tout ça. Voilà, tout ça. On va le descendre. On va le mettre là. Parce qu'en fait, c'est des... Ah, faut que j'affiche la grille. Hop. Ce sont des... En fait, c'est des éléments indispensables, mais dont j'aurais pas besoin sous le coude. Parce que ça se fait tout seul avec l'onglet terrain, en fait. Donc comme ça, ça va me permettre de gagner de la place ici, pour tout ce qui est texture. Ensuite, du coup, l'océan, enfin tout ce qui est mer. Hop, on va le mettre ailleurs aussi. Hop. On va le mettre là. Hop. Voilà. Et donc, eau profonde. On va le mettre là. On va le mettre là, en fait. Voilà. Et je crois qu'on est pas mal. Du coup, ça va nous forcer dans le logiciel ici à tout refaire. Mais c'est pas grave, comme ça on le refera mieux. Et salut Massio! Je suis en train de créer des ressources graphiques pour créer un jeu de rôle dans le thème de Minecraft. Un jeu de rôle qui s'appellera les portails d'Astroterre. Et donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, je pense que l'eau, on va la mettre par ici. Hop, voilà. Et coucou Mimiche. On va se garder encore quelques places pour mettre plus d'eau en fait. Hop, donc on va réorganiser tout ça. Voilà. Ah non. Voilà, comme ça. Hop. Et du coup, je voudrais rajouter les textures que m'a envoyé Mickaël, notamment tout ce qui est terracotta, wool, quartz, glace. Non, glace, on la mettra ailleurs. Concrete et end, du coup. Il y a tout ça à rajouter. Hop, hop. Donc, on commence par la laine. Donc la laine, on peut mettre ça là. Ah, non, ça passe pas. Donc on va mettre ça sur des étages en dessous. Voilà, comme ça on se laisse un peu de marge. Il y a une erreur d'un pixel. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter le concrete. Alors, est-ce que je rajoute ça juste en dessous ou pas? Merci, cher Avari. Et merci, Karma, pour le follow. Bienvenue à toi. Doudou. Bah, je vais mettre ça en dessous en fait. Hein. Hop. Voilà. Donc, concrete. Laine. Hop. Donc, merci beaucoup Mickaël, hein. ça fait gagner beaucoup de temps. Terracotta. Hop.
Alors, j'avais déjà mis les briques et la clé. Donc, du coup. Hop, je suis décalé. Voilà. Donc ça c'est terracotta. Et du coup dans la terracotta, en fait il n'y a que la terracotta brute que j'avais pas ici. Où est-ce que je la rajoute? Bon, je vais la laisser là pour l'instant. Et par contre je vais virer la brique et la clé. Hop, que j'ai déjà ailleurs. Je n'inverserai pas de terracotta concrète car laine concrète, les textures sont très proches. Genre je mets la laine en dessous? Peu. Hop. Avec l'argile. Baf. Là j'avais mis tout ce qui était briques en fait. Mais là, terracotta, c'est la terracotta, donc ça va bien avec terracotta, quoi. Et bienvenue, Enzo Vernick, bienvenue à toi. Du coup, on va avoir beaucoup de couleurs là, c'est cool. Ensuite. Tout ce qui est quartz. Hop, hop. On va mettre ça là. Donc je rappelle, là, sur cette texture-là, ce sont uniquement les blocs de terrain, donc les blocs pour le sol. Mais après, on fera des versions murs de ces blocs-là. Avec un jeu d'ombre différent et avec un effet 3D. Mais ça, on le fera plus tard. On va s'entraîner déjà ce soir à faire ça avec la cobble, non, avec la stone déjà, et peut-être avec des bois, des différents types de bois en fait. L'argile durcie, ça reste de l'argile pour moi. Là, c'est le groupe des blocs colorés. Je suis assez sensible à ton argument. Et donc ça c'est terracotta brut. On la met là, du coup. Donc ça. Donc. End quartz. Bon, il va falloir qu'on fasse les minerais après aussi. Hein. Non, RoboFox, pour l'instant, Twitch fonctionne. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Donc, l'end c'est fait. Le quartz c'est fait. La terracotta c'est fait. Et la laine c'est fait. Bon, et bah déjà on a rajouté pas mal de trucs. Donc après il y a les transitions à faire qu'il faudra faire petit à petit et améliorer. Mais je pense que allez, on va quand même travailler un tout petit peu sur l'eau. L'eau peu profonde. C'est laquelle? Je dirais peut-être celle-ci. Je vais dupliquer, je vais l'appeler eau plus sable. Parce que j'avais envie de travailler éventuellement sur ça. L'eau avec le sable. Et du coup, là-dedans. On enlève la partie profonde.
Ensuite, on va chercher la partie sable. Celle-ci. Donc, je duplique. Je la mets dans mon bon dossier. Voilà. Et là, on va pas travailler comme ça. Si Twitch casse ce soir, c'est la faute de RoboFox. Exactement. Donc là, en fait, pour le sable, en fait, il faudrait, faudrait pas faire comme ça. Faudrait pas faire comme ça. Alors, il est où mon sable? Il est là. Ah, je l'avais pas emmené au bon endroit, dis donc. Alors, on va repartir depuis le début pour le sable, en fait. Je pense. Donc là, en fait, je voudrais faire la jonction entre le sable et l'eau, comme si on était au bord de la mer ou au bord d'une petite rivière, en fait. Avec un peu de sable. Donc. Voyons voir. Si je fais un mode carré. Ok. C'est pas ça. Si je fais crayon. Ok, je voulais voir ce que ça donnait. Donc on va faire en mode forme. Et... Ouais. Et en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas des formes carrées. Nouvelle forme prédéfinie. Arrondi net 27. Non. En fait, l'idéal aurait été d'avoir un carré, quoi. Ok. comment faire pour avoir une forme carrée? Au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Elle me trouve beau au bord de l'eau, se passe des heures avec elle sans dire un mot. C'est joli.
Ah, peut-être trop creusé par là. Des broches carrées. Oh. Merci, mais je sais pas comment ça marche, les comment on rajoute des broches. Surtout que moi j'ai pas une version récente. Et où non, tu me dis sur le. Sur le drive, où ça? Je vois pas où c'est, Mich. Dossier portail. Pourquoi je le vois jamais, ce dossier? Il est où? Il est là, le vois jamais. Non, mais... Hop. Alors. Et... Et alors, dans Photoshop, comment j'ajoute des broches? Ah, c'est pas mal afficher le réticule, ça j'aime bien. Le rajouter, mais c'est pas ça que je veux. Module externe. Ah. Comment on rajoute des broches? Alors j'ai des formes. Brush. Merci Mimiche. Mais c'est pas carré ça. Quoi ce truc? Comment ça marche? Alors c'est parfait, Mimiche, mais je crois qu'en fait c'est pas tout à fait. Oui, finalement, le truc flou, là, c'est pas mal, hein. Ça pourrait même servir pour les transitions, qui seraient mieux, en fait. Non, non, mais c'est très très bien, Mich, mais en fait, ouais, non, il n'y a pas de broche comme je veux. T'as trouvé ça où? Parce que je peux peut-être chercher de mon côté. T'as tapé broche, j'imagine. Broche... broche Photoshop. Broche Photoshop carré. 10 brosses carrées.
Oh, c'est joli, bref. Mais je veux un carré tout simple. Ça, c'est trop complexe comme brush. Donc ça, c'est ça que t'as dû prendre. Alors, est-ce qu'il y a des brushes plus simples? Vraiment, un carré de chez carré, quoi. Ah. 20 brushes. C'est rigolo, ça. Mais je veux juste un carré. Square, sinon je vais faire... Je vais taper en anglais. Square. Ouais, sauf que ça, c'est pas gratuit. Ink shape. Label. Frame. Il y a même des blazes et tout. Il y en a des brushes Minecraft, dis donc. Incroyable. Mais il n'y a pas des carrés tout simples, quoi. Ça n'existe pas. Ah, peut-être là. Même s'il est un peu arrondi, ça serait parfait, en fait, même. Ah bah non, c'est pas bon. Ah si, celui-là peut-être. Il n'est pas vraiment carré. On peut tester. On peut peut-être tester. Ah c'est... C'est pas un brush. Enfin c'est pas le même... La même extension. Ouais, c'est pas la même extension, donc ça ne va pas marcher. Ok. Et ça? Ça, à la limite, celui-là, pourquoi pas. Et coucou Tedios. Hop. Alors ça c'est ABR ça. Ça c'est le bon... C'est le bon format. Hop. Évidemment, ça ne marche pas. Putain. Mon avis, c'est qu'il est trop gros. J'ai une vieille version de Photoshop. Hein, et regardez, ça fait 100 MO. Oh. Dommage. Ils sont trop compliqués, ces brushes. Il n'y a pas... c'est fou ça, carré. Pinceau.
Et salut à tous ceux qui arrivent. Oui, les petites fleurs, tout ça, c'est prévu, t'inquiète pas. Et salut Manu, salut à tous ceux qui arrivent. Vous... Ah. Il y a quoi là-dedans? Vous n'auriez pas des brushes? Un brush carré, ça me faciliterait la tâche. Juste un carré, quoi. Je pourrais le faire moi-même si je savais comment on faisait son propre brush. Comment on fait son propre brush? Est-ce qu'il suffit de faire un carré? Comment on enregistre Ah, c'est dommage, il n'y a pas de carré. Ah, attends. Créer un fichier ABR, c'est ça, ABR. Ok, bon, ça n'a pas l'air compliqué. Donc on va faire notre propre brush, après tout. On va le faire, on va faire un carré de 100 sur 100. Hop. La musique, c'était écrit, non? C'est pas écrit la musique? Ah, pourquoi c'est pas écrit? C'est pas écrit la musique? Aucun titre joué. Ah. Voilà, parce qu'il y avait deux VLC où lancer. Alors. Je veux du noir. Hop. Donc voilà mon brush. Juste un truc carré, moi. Donc après, qu'est-ce qu'il disait? Donc, nanana. Créer un nouveau pixel, d'accord, donc ça c'est fait. Réinitialiser les deux couleurs de base via la touche D. Je ne connaissais pas la touche que je suis en train d'utiliser. Ok. Maintenant, prenez l'outil pinceau via la touche P pour faire la forme de votre choix, c'est fait. Dans les menus en haut de votre barre d'outils, édition, définir une forme définie. Merci Belzix. Donnez-lui un nom et validez. Carré. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de brush, parce que c'est tout con à faire, peut-être. Ok. N'oubliez pas d'adapter le diamètre de celle-ci à vos besoins. Ok. Donc du coup, ça se trouve, c'est, si c'est juste ça, c'est tout con. Donc maintenant. Hop. On reprend notre outil gomme. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On s'est fait plus chier à chercher sur internet qu'en fait en vrai. Du coup, si je diminue ma taille et que maintenant je voudrais oui, c'est bon. Je zoome. Mm-hmm. Par contre, ah oui, mais par contre, eh, ça fait pas de flou en fait.
Alors attendez, il y a peut-être des options que j'ai pas. Alors. Alors attendez, si je change et que je le mets à 9 pour voir ce que ça fait. Peut-être là, ça fait ça. Ok. Non. Ah. Donc, forme prédéfinie. Je prends ça. Je fais un test à 17. Donc, dynamique de forme. Ok, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux créer du flou. Oula. Non. Texture non plus. Alors sinon j'ai une idée. J'ai une idée. Bougez pas. Bougez pas, j'ai une idée. Je sais comment on va faire. Alors. Image. Taille de l'image. On va réduire. On va mettre à 25. Voilà. Image. De l'image, on va agrandir la zone de travail 50 50. Ah non, 100%, donc 100% pixels. Je veux. Et là, on va rajouter une ombre portée à 0. Ah, ça fait pas ce que je veux. Ok. Alors, on va faire autrement. Nouveau. On va bosser sur un carré plus grand.
J'essaie de créer une zone de flou. Voilà, c'était l'opacité qu'il fallait que j'augmente. Si j'enlève la grille. Pas mal comme ça. Ah, c'était pas mal ça. Les creepers, ce qui m'a pas fait peur. C'est pas mal ça peut-être comme carré. Est-ce qu'on a d'autres? Ah, ou comme ça. Hop. Donc, ensuite, taille de l'image. On va réduire ça à 50 pixels. Ça fait un tout petit flou. Ah, ça va pas. Ça va pas. Le flou est pas assez. Donc, recommençons. Donc ça va pas en fait, ça. Il me faut un flou plus étendu. Comment je fais là? Je veux un flou plus étendu. Je peux mettre plus que ça? Non. Peut-être que mon carré, il est trop gros. Alors, image, taille de l'image. Là, j'avais fait 1000. Je vais faire 500 seulement. Image, taille de la zone de travail. 1000. Voilà, et je recommence. Du coup, j'applique une ombre portée. 100%. Ça fait des effets de diffusion d'optique quoi à la fin. C'est pas parfait, hein, on est d'accord, mais bon. Image, taille de l'image. Et je baisse donc à 100 pixels.
Ah, c'est mieux. Donc, image, édition, définir comme forme prédéfinie et on l'appelle carré flou 01. Voilà, et du coup, si je reviens ici, que je prends mon carré, j'ai mon carré flou. Est-ce que ça va marcher mon carré flou? On est pas mal. On est pas mal. Pas mal. On est bien même. Donc, hop, on va refaire notre sable. Il est où le sable? Il est là. Dupliquer. Bon, j'ai appris à faire des brushes, quoi. Trop bien. Hop. Sur un malentendu. Et ça se trouve, du coup, grâce à ce brush, on va refaire toutes les transitions de flotte. Donc, qu'est-ce que je m'embête là? Hop. Hop. Je le duplique comme ça cette fois-ci. Si je fais une boulette, je le paierai, je le perdrai pas. Et donc, je prends mon brush. Je le positionne au milieu et je fais... Paf. Ah, c'est pas mal, hein. Donc je vais l'agrandir, je vais le mettre à 100 pixels. Ah non, même pas 100 pixels. 64 pixels peut-être. Plus que 64 pixels, mais pas beaucoup plus. 70 pixels. Hey, c'est cool, ça me fait mes transitions tout seul, quoi. C'est bien mieux que là, en fait. C'est cool. Ah, je suis content, tiens. Découvert un truc. Alors ça c'est pour le sable. Du coup ben, on va refaire la flotte en fait. Hein. On va refaire la flotte. Hein. Donc, water profonde. Hop. Comme dirait Roi lui, c'est valide. C'est entièrement valide. Ouk. Ouk. Et en plus, c'est rapide, quoi. Merci Mimiche pour avoir pensé à chercher des broches. Du coup, on se retrouve à bosser sur la flotte alors que dans le titre du stream, j'ai mis qu'on allait bosser sur... Ouais, rembourser d'abord. Salut Mimiche. Salut. Alors attends, je sais pas si... je t'entends pas très bien. Hop, c'est ah mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, j'ai rapproché mon micro de ma bouche. Oh, t'as vu cette découverte des broches? Alors oui, j'ai aperçu en... Ouais, j'ai à peine tout suivi parce que j'ai... Ouais, bah alors regarde, regarde, là je vais faire de la magie. Boum. J'ai fait mon brush, je clique une fois et pouf, j'ai une transition smooth. Ah ouais, cool.
En une fois. Bah après, un je clic. savais. Je savais que mes broches, c'était. Tu pouvais faire des trucs sympas avec. C'est pour ça que j'étais un peu orienté là-dedans. Après, c'est vrai que mes premières. Les premières que je t'envoyais, je les avais pas pu les tester, donc je savais pas ce que je t'envoyais. Oui, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des. Du coup, je découvre un truc en plus. Voilà, il m'a fallu tâtonner un peu pour le faire, mais. Bah, en fait, t'as fini par faire ce que j'aurais peut-être fini par te dire, c'est est-ce que tu pouvais en créer directement dans Photoshop pour ensuite t'en servir. Voilà. Et en fait, bah voilà. Moi, je savais que je pouvais sous GIMP, mais je savais pas si sous Photoshop c'était. Aussi j'avais jamais fait. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Du en coup. Fait, Mickaël, c'était un peu volontaire parce que j'ai vu que Oran me parlait, donc je me suis dit, autant qu'à faire, je vais répondre en vocal. J'ai enfin fini de manger. Ah bah non, mais j'ai remis ma pizza à cuire en deux fois, donc comme ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai merdouillé? Oui, en fait, je me fais suer pour rien. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que je vois qu'il y a plein de brushes Minecraft qui existent. Mais ouais, c'est quoi tous ces brushes? Donc si je duplique ce calque là et que je le mets dans eau profonde. Voilà. Donc après, il faut refaire les petits. Hop. Donc les 2x2. Ah, c'est pas ça. C'est là. Je me suis retrouvé dans tous les calques. Hein. Donc, il me faut de l'eau profonde. Je sais pas si t'as répondu, ça date d'un petit moment, mais il y avait quelqu'un dans votre chat qui proposait d'aller chercher des textures du côté du modé en fait. Et c'est vrai que t'as certaines textures qui pourraient être sympas à utiliser. Ouais, mais après, je voudrais quand même qu'on reste assez proche d'un vanilla. Même si là, techniquement, okay. C'est déjà le Sama Faithful, donc. Ouais. Mais en fait, ça dépend pourquoi. Après, j'aurais sûrement besoin de modé pour des choses quand même, qui sont pas peut-être dans le jeu et dont j'aurais besoin. C'est possible. Moi, je pensais notamment à du bois. Toi, t'as du bois qui est un peu plus foncé, qui est pas du dark oak, qui est pas du, tu vois. Et entre les deux, tu vois, en termes de couleur, et je me dis que ça pourrait coller, tu vois. Après, au pire, je peux t'envoyer et puis tu prends ou pas. Yes. Après, là, justement, je voulais commencer à travailler sur les murs, en fait. C'est le titre du stream. Ouais, c'est pour ça que je te disais rembourser, parce que... Je vais peut-être faire un peu plus grand que ça, là. Hop, on va faire 38. Je pensais pas à Forestry, Mickaël, moi j'avais plutôt immersive en tête. Il est pas centré mon carré. Chelou. Ok, et du coup il me reste l'eau profonde comme ça à faire. Ça sera plus joli, je pense, plus réussi. Après, au départ, pour le sable, ce que je voulais faire, c'était pas juste ça. Je voulais rajouter des petites vaguelettes en fait. Mais ça va pas être facile. Alors, faut que je supprime. En fait, faut que je supprime tout là pour le coup, rien n'est bon. Hop, donc on va prendre ça. On va mettre donc ici. Bon, par contre, il faut que je refasse tous mes terrains parce que j'ai changé l'organisation du fichier pour ajouter tous les blocs. Ouais. C'est pas grave. Alors, eau profonde 2x2. Et là. Je me posais la question si tu pouvais. Si... Alors, je sais pas au niveau de l'utilisation derrière, mais est-ce que tu aurais pas intérêt à
à séparer ton fichier en plusieurs. Alors, pour certaines choses, sûrement, mais pas pour tout. Après, j'ai quand même de la place. Donc, je pense pas. Ouais. Parce qu'après, au pire, je peux agrandir la taille de l'image, tu vois. Je pense. Ouais, en fait, c'était aussi pour pouvoir te que tu te puisses te... Me repérer, ouais. Ouais. Bah, c'est pour ça que là, j'ai réorganisé. Parce que, comme ça... En fait, toutes les transitions elles vont être en bas parce que les transitions, quand je suis dans le logiciel, j'en ai pas besoin en fait. Ouais, bah parce oui. que je vois toute ma liste de terrain et c'est tout ce dont j'ai besoin dans la texture terrain. Ouais, par ça. Contre, ce que j'ai besoin en tuiles, c'est tous les sols pavés, tout ça. Que, ouais. Donc j'ai, voilà, c'est pour ça que je réorganise, ça va être plus pratique. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais en fait, tu peux pas forcément ajouter d'onglet en bas. Si. Ici donc en souhait. Si, parce que donc là, en fait. Ah non, en bas, non. Mais en haut, oui. Ben là, j'ai objet, flore, architecture, donc... Ouais, je te parlais plutôt d'en bas, toi, les jeux de tuiles, en fait. Bah non, ça, c'est... Après, non. Peut-être. Faudrait que je voie avec le côté aléatoire. Faudrait que je regarde comment ça marche, tu sais, le fameux aléatoire dont on a parlé. Ah bah oui. Ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Ouais, je m'en doute. Alors, hop. Du coup, j'avais mis 38, je crois, c'était pas mal. Hop, et du coup... Je tente ma chance dans le chat. S'il y en a qui savent sur un mode pack où sont les textures des différents modes, je prends l'info. Je regarde, mais je trouve pas. Alors, on enregistre. On fait. Et là, ça va être le tsunami, le tremblement de terre, la révolution. Voilà. Il n'y a plus rien qui marche. C'est normal. Donc on va supprimer tout ça. Hop. Parce que plus rien n'est bon. Voilà. Ok, nickel, merci. Et là, on va supprimer le terrain. Parce que plus rien n'est bon. Donc supprimer. Voilà, j'ai tout supprimé. Alors. Ajouter un type de terrain. Donc ça c'est vide. Ensuite on va ajouter tout de suite, on va faire que l'eau pour l'instant. Donc ça c'est eau. Comment on appelle l'eau peu profonde? Eau peu profonde. Voilà. Niveau 1, 2, 3, je sais pas. 3, 2, bon, je vais mettre eau peu profonde, eau profonde et eau très profonde. Ça va. C'est assez. De toute façon, c'est ton rangement. Et puis, de toute façon, ça se trouve, ça changera encore. Comme là, ça vient de changer. Là, c'est surtout pour tester les mécaniques, quoi. Hop. Donc là, je crée mes terrains. Les types de terrain, donc l'eau profonde. Ah. Il y a tout ça. Voilà. Il y a ça aussi. Alors je viens de m'ouvrir un... Voilà. Ah oui, on est en pack en 32, donc il faut que je chope un immersive en 32. Il y en a peu profond. Oui, on est en 32, effectivement. Après, tu peux tout redimensionner, mais bon, ça... Ouais, mais les textures seront déjà retravaillées, en fait. Il me semble qu'il y a un Facebook en 32 modés qui existe. Donc, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Eau peu profonde. Eau profonde. Eau très profonde. Normalement, c'est pas mal. Alors, on retourne sur nos terrains. On va faire un nouveau calque. On va l'appeler... On va le mettre tout en bas pour l'instant. Merci. Je remplis avec ma texture. Ah non, faut... non, j'ai fait une bêtise. Je remplis avec de l'eau peu profonde. Et après. Et ça marche pas bien.
Oula, j'ai des transitions qui sont pas coordonnées. C'est pas la même taille en fait. Par contre, le flou est plus joli. Hein. Mais faut que j'arrive à faire des raccords. J'ai des faux raccords. Et c'est pas mal, hein. Ça rend mieux quand même. Le flou. Alors, mes faux raccords, ils sont à quel niveau? Je pense que c'est là que c'est pas assez grand. Pourquoi j'ai le truc en double? J'ai un bug là. T'as dû faire un miroir ou un truc comme ça, non? Bah, t'as dû ouais. Un truc en miroir ou. Ah, c'est Alt. Quand j'appuie sur Alt, ça fait la symétrie. C'est fort ça. Centrale, pour être précis. Ouais, symétrie centrale. Bon, parlons peu, parlons bien. Hop. Alors, il faut que je voie exactement ce qui va pas. Alors. C'est celui-là qui va pas. Non, c'est celui-là qui va pas. Il est pas assez grand à mon avis. Alors. Donc c'est eau profonde 3. Donc on va agrandir notre zone d'effacement. Je viens de trouver 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre à 78. Bloc de bois différent. C'est trop. Avec les branches qui vont en 32-32. Et t'as toutes les couleurs. Des plus roses, des plus bleus, des plus noirs, des plus verts, des. J'arrive pas à voir si c'est mieux. Si c'est mieux. En fait, c'est le petit qui va pas. C'est le petit qui va pas. Ah oui, je comprends pourquoi. Et salut Zioslot. Alors attends. Ah, le petit, en fait, faudrait que j'agrandisse l'ombre. Ouais, ou alors non, c'est encore qu'il faut que j'agrandisse. Est-ce que ça marche mieux là si je fais ça? Yes, mieux. Encore parfait. Et c'est déjà beaucoup mieux. Alors si je reclique une fois. Mais par contre je perds un peu le côté flou. Dommage. Mais là c'est quasiment parfait. Pas mal, non? Mais on a moins le côté flou qu'au début. Alors, vous préférez quoi?
Vous préférez que je revienne à la transition plus smooth, peut-être, hein? Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, je trouve ça bien comme ça. Ouais, je sais pas trop. J'aimais bien le côté un peu plus fondu pour la mer, tu vois. Ouais, vous aimez bien comme ça. Parce que si je veux un truc plus fondu. J'ai quand même envie d'essayer. Donc, je vais dupliquer. Et je vais essayer plus fondu. Donc. Voilà. Hop. Ah, là, j'avais pas fait une copie. Ah, mais quel boulet. Bon. Et Water 1. Ah non, c'est pas Water 1. Lequel? Et Water 2. Faudrait que je les renomme, hein, ça serait... ça serait pas mal. Après, on bosse sur les murs. Hein. Mais t'as 27 bois, c'est beaucoup trop, Mimiche. Ah bah après, je vais proposer, hein. Tu vas me dire ce que t'en penses. Hein. Alors, du coup... Non, je t'ai dit bonjour, The Ocelot. Il me semble. Il me semble aussi, mais bonsoir, au pire. Moi, c'est sûr que je t'avais pas salué. Je pense que là la transition elle va être encore trop violente. Ah, alors attends. Peut-être que si je fais... Ah, j'ai pas l'intensité. Ah si, j'ai l'opacité. Mais si. Si je joue sur l'opacité. Et que je fais ça. Ouais. C'est astre. Je suis même pas sûr qu'il y ait une commande. Non, il y a pas de commande. Ouais, je suis pas convaincu. Ouais. Bon, je sais pas si je t'en annonce, Oran. Tu vois ce que c'est, Chaser, ou pas, sur Minecraft? Oui.
Bah, dis-toi que j'ai toutes les textures d'Upsizen. Oui, mais je n'ai pas besoin. Je ne vais pas faire du Shizel. ça peut nous apporter la variété en fait. Non, The Ocelot Astrater ne sera pas une catégorie Twitch. Ah, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, mais j'y crois pas non plus. Alors. On va y aller très progressivement. Et mieux. C'est vraiment la version empirique. Et mieux. Salut. Coucou Grémy. Salut Grémy. Ça va? Oui, ça va. Je venais voir comment se passait ton live et puis ce que tu faisais de beau. Eh ben, j'avais intitulé mon live « On fait des murs » et en fait, on fait de la flotte. Ça n'a rien à d'accord, voir. D'accord, donc en fait, ton projet, le mur, il est tombé à l'eau. Merci, Grévy. Je peux lancer mon badoot. Ouais, parce que tu vois, je fais mes lives le vendredi et puis du coup, moi, je peux plus voir ton projet avancé. Mais t'as pas fini ton stream, là. Non, je passais juste quelques minutes juste pour voir et puis je vais repasser avec Ménélas. Ouais, nice. Bah écoute, oui, voilà, on fait de l'eau, on fait les transitions entre différents niveaux d'eau et je découvre des choses dans Photoshop. Je découvre les brushes personnalisées en fait. Donc au lieu d'avoir des brushes ronds, je peux faire des brushes carrées et dans Minecraft, des brushes carrées, c'est très très bien. Bon, et toi, ça se passe bien du coup? Oui. Tu fais les têtes, le terraforming autour des têtes de corps ou t'es dans ta base du coup? J'ai vu ton stream. Je suis retourné dans la zone des mini-jeux, là je viens de finir. Nice. J'ai fait un peu de terraforming autour des têtes de Corf, Kira et Tidus. Juste terminé un petit peu. Enfin bon, il y en aura encore du terraforming dans cette zone. Et puis là, je retourne à ma base. Refaire du terraforming. Ah bah c'est cool. Hop. Voilà, du coup, coucou à tous les viewers de ton live. Et coucou à tous les viewers du cœur. Exactement. Ça va être dur de faire du multi-twitch parce qu'on est vraiment pas du tout sur le même truc. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci d'être passé. Ouh là 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 là. J'ai un ghast dans la zone. Ah. Alors, il faut que je batte ça. Et bah bon courage avec ce ghast. Voilà, c'est bon. Bon allez, je switch de nouveau vers chez Ménélas. Je crois que je vais te suivre pour dire bonsoir à Méné. Bah okay. Ouais, tu attends que je vais faire pareil. Y a pas de raison. Ah bah. Pas de raison. Alors on switch tous. Coucou Méné. On est tous venus te faire un petit coucou. Il est pas mal. On l'entend presque pas. Vous m'entendez pas? Ah, très faiblement, très très faiblement. Ça bosse dur avec Grébi, alors il te fait marcher au coup de fouet. Comment? Il te fait marcher au coup de fouet. Non, mais on se doute. Engagé pour faire une forêt entière en arbre custom. T'as pas honte. Bon bah du coup, moi je passais te faire un petit coucou Méné et du coup je repasse dans mon chan. Bon courage pour les forêts custom.
Et moi je vais te suivre, Rohan. Bonne soirée les gars. Salut. À plus. Alors, on était en train de faire eau profonde 2x2. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Où je retrouve le bon channel. C'est celui-là. Hop. Hop, 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 hop. Faut que je switch vers le bon logiciel. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, on est peut-être trop. Je vais mettre 30. Opacité. Ah, oh, c'est les tambours, hein. Dans la musique. Et ben voilà, on est parfait. Regardez-moi ça un peu. Pas mal au niveau de la flotte. J'ai que c'est bien. On a un effet de flou un peu plus prononcé qu'avant, et je pense qu'on est plus, c'est plus mieux. C'est beaucoup mieux. C'est classe, nous dit Charivari. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Et du coup, ça marche bien avec les différentes profondeurs d'eau, c'est. C'est pas mal. Et si t'essayes de faire l'inverse, une zone profonde avec une, entre guillemets, une ligne au milieu, tu vois? Alors là, pour l'instant, c'est pas fait. D'accord. Pour l'instant, t'as la transition du moins profond au plus profond. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un petit bug là. Oh, ça se corrige, ça. Voilà. J'ai l'inverse aussi, du plus profond au moins profond. Mais quand tu dis « île », tu veux dire une zone de terre. Bah oui, enfin, je te disais ouais. « île » entre guillemets. C'était pour ça en fait que j'ai mis les guillemets pour parce que je savais que tu allais avoir la texture de terre de fait. Non. Pour avoir la transition dans l'autre sens, tu vois. Ouais, mais là c'est plus compliqué à faire. Parce qu'en fait là ça marche bien parce qu'on a trois textures et il y a une hiérarchie entre les textures, tu vois. Ça va être plus compliqué quand je vais rajouter autre chose parce que jusqu'à trois textures ça va bien, mais au-delà de trois ça va pas. Donc je fonctionnerai autrement. Je referai plusieurs couches en fait. Je te demandais en fait juste ce que je voulais voir le rendu visuel, c'était de faire une zone d'eau profonde et puis de d'au milieu de cette zone d'eau profonde de refaire une moins profonde et une encore moins profonde, tu vois, pour qu'on ait. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait là, non? Regarde, il y a profond, moins profond et peu profond. Non, c'est pas ça? J'ai pas compris. Mais ouais, mais là tu pars du moins profond au plus profond, à moins que j'ai encore. Bah en fait, là si tu veux, je peux mettre du profond et hop, ça me fait tout de suite la zone de pas profond autour. Ouais, ok. Donc ça marche. Non, ouais, ça marche. Ouais. Tu vois, hop. Alors après, ce que je peux faire, c'est rajouter genre une couche de grasse. Hop, sans eux. Mais par contre, faut que je crée le terrain parce que là, pour le coup, je l'ai plus. Non, mais fais tes murs, on a dit que c'était soirée mûre. Ce soir, c'est soirée mûre. Chez Boris. C'est soirée disco. Non, soirée mûre. Ah, pardon. Mais je suis pas content de la transition. On la fera autrement, la transition. Et pour les plus jeunes, si vous avez moins de 30 ans... C'est vrai. C'est horrible. Hop. Donc si, juste pour voir, je fais une petite zone de grâce. Hop. Terrain, grâce,
Voilà ce que ça. Alors. Genre, je fais une île ici. Hop. Voilà ce que ça peut. Ce que ça peut donner. Mais voilà, je suis pas content de la transition. De toute façon, faut que tu travailles encore sur transition de terrain d'herbe, je crois, non ? Ouais, faut... Mais voilà, mais c'est pas si mal, hein. Mais non, c'est plutôt correct. Hein. C'est correct, voilà, exactement, c'est correct. Oh, non. Hop. Du quoi, ça fait... 3, 6, 9 heures qu'on est dessus, c'est quoi, hein. Là. Ouais, le sable est prévu. Oui, oui, le sable est prévu. Il faut du sable aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Hop. Mais c'est pas si mal comme ça. Bon, en fait, c'est pas... Voilà. Non, mais sur ta texture de terre, t'as juste quelques coins à reprendre, en fait, entre guillemets. Juste, ouais. Je... Ouais, mais Benzix, oui. J'avais vu ton... Je suis d'accord avec toi. Déjà, mais... Je sais pas si techniquement c'est faisable avec le système que j'ai utilisé pour l'eau, mais je pense que je vais aller vers ça. Ouais, c'est... Ouais, faut essayer. Pour... Parce qu'en fait là je trouve que c'est sympa, mais tu vois si on voit juste ce que j'ai fait, on voit pas que c'est Minecraft. Ouais. Donc, mais comme je disais l'autre jour, pour moi, c'est pas forcément la texture de sol qui m'apporte une côté. Oui, oui, mais pas forcément la texture de sol, mais le bloc de grâce, c'est quand même emblématique de Minecraft. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis peut-être que faire quelque chose comme Belzeix disait, un demi-bloc ou je sais pas, quelque chose qui rappelle le bloc de grâce de Minecraft, ce serait pas mal. Mais avec le sable, ce sera différent, donc à voir. Faut que je vois comment je peux faire. Mais en tout cas, l'eau en elle-même, par contre, on la gardera comme ça, parce que voilà, l'eau... Hop. L'eau et Minecraft, une grande histoire d'amour, hein. Oui, voilà. Hop. Ceci étant évidemment 100% ironique. Tu vois, si on fait une espèce de fausse petite rivière, c'est pas si mal. Ouais. Après, rivière, tu vois, je mettrais même pas les trois... Oui, 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 oui. C'est vrai, juste de l'eau profonde, ça suffirait pour une rivière, ouais, tout à fait. Sauf éventuellement un petit lac, tu vois, par là, hop. Ouais, voilà. Oui, voilà, ou quelque chose qui te... Là, tu vois, par exemple, une rivière qui arrive à la mer, tu vois. Ouais. Puis après voilà, on peut toujours affiner un peu, hein. Bien sûr il y aura de la végétation et tout, mais franchement vous avez vu à quelle vitesse on peut créer une petite rivière maintenant qu'on a l'outil qui est fonctionnel. C'est ça en fait. Donc ouais non, je suis content. Je suis très content. Là faut c'est vrai que pour les gens qui pourraient se trouver que ça c'est bon, on se crée des outils actuellement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, c'est une plus longue affaire. Et salut Nathan. Bah oui, parce qu'après, ça là par exemple, ce qu'on vient de faire en quelques secondes, là, créer la rivière, dans Roll20, mettre bloc par bloc tous les niveaux d'eau, mais ça prend une éternité. Alors que là, on vient de le faire en 30 secondes. Et c'est très facile de retoucher, modifier, améliorer, alors que dans Roll20, c'était galère. Il y a ça, et donc ça veut dire que derrière, ça peut faire rapidement une infinité de cartes. Exactement. Alors rapidement, là, on en est à une carte enfin, très très simple. Mais non, mais j'exagère en disant rapidement, mais voilà. Mais oui. Hop. Alors, on va passer à la partie... Oh, c'est pas mal comme ça avec
Parce que là, vous voyez, par exemple, si je rajoute un terrain, on va le rajouter là. On va rajouter un calque terrain. On l'appelle sol. Après, là, je vais dans mon jeu de tuiles. Et tiens, on va faire un sol en briques de land. Et hop, oui, tout de suite, très facile de rajouter un sol à nos deux petites tours là. Le même, hop. Maintenant, grâce à Mickaël, on peut mettre de la terracotta, du béton. Eh, c'est stylé avec du béton en poudre là. Regardez-moi ça. De béton en poudre, ça devrait forcément te plaire. Mais ouais, si je rajoute un peu de diorite, ça rend bien. Ah non, diorite. Regardez un petit peu de look, look, de motif. C'est vrai que c'est voilà. Ah, peut-être pas ça, peut-être pas comme ça en fait. C'est plus l'inverse. Alors, comme ça. Et je fais ça comme ça et comme ça. Voilà, pas mal comme ça. C'est pas faux, Mickaël, c'est pas faux. Non, ça c'était pas terrible. De la bedrock. Voilà, là la tour elle est solide quoi, tu le sens. On peut même faire un sol en brique, hein. Oh, sol, allez, 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 faisons-nous plaisir, un sol en blackstone. Hein, peut-être... Ah, ça fait plus mur, ça. Non, non, mais c'est stylé, hein, ce qu'on peut faire. Ouais. En granit, c'est pas mal aussi. Bon, ma tour elle a les pieds dans l'eau, d'accord, mais voilà. Non, du coup, avec la flotte ça rend bien maintenant. Je pense que pour la flotte on a vraiment le truc qu'il faut. Ouais, la flotte, je pense qu'on est. La flotte c'est valide. Donc après il y a les transitions avec le sable à faire, avec la grâce à faire, mais la flotte est valide. Bon, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire ce soir, mais c'est pas grave. C'est fait. Alors maintenant, je voulais bosser sur... Donc là, on va enregistrer. Est-ce qu'avant de passer sur tes murs, tu jettes un coup d'œil à tous les blocs modés que j'ai pu te trouver? Alors, tu les as mis quelque part? Je t'ai balancé deux dossiers sur le drive. Je regarde. Alors, j'ai balancé ça comme ça, c'était juste pour avoir ton retour, tu vois. Immersive Block, c'est ça? Bah, Immersive et ta Forestry aussi. Donc, il y a les convoyeurs... Des espèces de lianes. Peut-être sympa d'avoir un retour sur le drive, au moins tu l'es posé. Mais... Yes, hop, voilà. Ah, les convoyeurs, c'est rigolo. Oh. Ah ouais, ça c'est sympa. Mais... c'est très, très ouais. Mécanique. Ce que tu c'est as très proposé. Mais en fait, immersive à ce côté en fait médiéval, fantastique, steampunk que tu vois, qui peut courir à l'astroterre. Ouais. Alors ça c'est ça. Ça, ça. J'ai tout de pensé immersive. Ouais. Blaze Furnace c'est pas mal. Alors déjà, ouais, alors, sachant que Blaze Furnace c'est un multi-block en fait, donc ça fait un 3x3x3. Tu vois. Oui, ouais, oui. On le cuivre, non. Ah, les caisses. Ouais, toi t'as les ah, caisses. Ah, les caisses. En fait, que bois déjà en soi, quoi. Ouais, ouais. J'avoue que la caisse, elle est sympa. Parce que nous, en termes de caisse, on en a pas. Bah, on a. On a que non, le baril, on a. Caisse, en fait. On, a... Non, on a que le baril, on a pas de caisse, quoi. Bon, après, on pourrait, à partir du baril, imaginer une caisse. Hein. Oui. Et puis, même à partir de la table de craft. Ouais, par exemple. Mais ces caisses-là sont sympas quand même. Ah, ces caisses-là sont sympas. Avec les côtés cernés ou pas d'ailleurs. Ouais. Non, c'est pas mal.
Mais tu crois pas qu'on n'a pas déjà assez de blocs comme ça? Ah non, mais je propose. J'ai pas dit que c'était forcément pour tout de suite, tu vois, ça on a des idées qu'on peut... Ouais. Ouais, non, mais ouais. C'est pas mal. Et en fait, pour revenir sur le Blast Furnace, enfin le four que tu voyais là, je me disais que peut-être qu'on pourrait réfléchir à avoir des... Alors je sais pas si c'est faisable dans le jeu, mais avoir des blocs, des plus gros blocs que t'as tout de suite de près et que tu poses dans ton jeu, tu vois. En fait, ça fonctionne comme ça, regarde Mimi, je te montre. Par exemple, imaginons que je veuille poser un objet qui fait 4 blocs. Enfin, 4 cases. Et ben, je sélectionne mes 4 cases et hop, ça pose... Enfin là, j'ai sélectionné que 2 cases, okay. Mais tu vois, ça ouais, sélectionne donc, directement. Ouais. Donc on peut... On pourrait avoir un objet. Donc tu vois, je peux poser d'un coup toutes les textures de terracotta si je veux, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, il faut que ce soit bien configuré dans le fichier, que les textures soient côte à côte. Ouais, mais on pourrait avoir un objet qui est sur 9 cases, par exemple, donc 3x3, ouais. Et tu prends les 9 cases et exactement. Tu poses dans l'entier. En fait, techniquement, c'est ce qu'il faut faire souvent, par exemple, pour les arbres. T'as une série d'arbres tout faits. Tu les sélectionnes d'un coup sur 4 ou 5 lignes ou 3 colonnes, tu vois, et hop, tu places ton arbre directement. Ouais, ok. Donc, par exemple, ce que tu voyais, la dimersive, la structure multi... Enfin, moi, je sais que c'est un multibloc, mais en gros, c'est ton 3... Tu pourrais faire et... Ouais. C'est possible. Et salut Redson Artist. Et du coup, Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on crée des outils, des textures pour faire des maps Minecraft pour un jeu de rôle. T'as Home 20 ouvert ou pas? Comment? T'as Home 20 ou pas d'ouvert? Non. Mais non, je peux l'ouvrir. C'est pas... Ouais, enfin, tu vas repartir de la base et puis... Donc Roll20, c'est une table de jeu de rôle virtuelle qui permet de faire des parties à plusieurs. Hop. Et il y a tous les outils pour contrôler des personnages, contrôler des lancers de dés, etc. Et l'idée, c'est d'utiliser ce site pour faire des parties de jeux de rôle dans un univers inventé basé sur Minecraft. Mais pour utiliser Roll20, il faut faire des cartes, des maps, pour que visuellement les joueurs voient. Par exemple, là, on est dans une tentative de map d'un forgeron. Sauf que Roll20, c'était pas pratique à force, parce qu'en fait, il faut placer tous les blocs un par un. Et c'est très compliqué. Enfin, c'est très fastidieux. Et c'est le rendu, vous voyez, est quand même pas parfait. Donc, du coup, j'utilise un autre logiciel qui va me permettre de faire des cartes plus belles, plus facilement, plus rapidement, pour pouvoir faire plein de trucs, en fait. Et ensuite, on importera les cartes dans Roll20. Mais vous voyez, dans Roll20, par exemple, il y a ça qui est bien. Hop, voilà, on peut lancer des dés. Et rien que ça, c'est trop bien. Hop. Joli jet sur un des 20. J'ai fait 18, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc j'avais déjà créé pas mal de cartes, hein. Voilà, c'est quand même pas... C'est pas moche, hein, mais... Au niveau des perspectives, moi, tout ça... Moi, je voudrais plus joli. Puis je voudrais surtout plus facile et plus rapide à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, par exemple, les transitions, elles sont pas moches, hein, sur les chemins, tout ça, là. Mais en fait, il faut penser que j'ai mis les blocs, les bordures des herbes, une par une. Donc c'est fastidieux. Après, j'avais déjà... Hop. Tu peux pas récupérer tes textures d'ailleurs de Roll20 Si, mais c'est pas, elles sont pas extraordinaires. Enfin, c'est, y a rien de. Ouais. Non, parce que ça aurait pu te faire les transitions, enfin, de refaire les transitions que t'avais déjà faites, tu vois. Non, mais je peux. En fait, les transitions, grâce à ce que tu m'as filé, elles ils sont dans le texture pack, donc j'ai pu les récupérer. D'accord. Ok. Enfin bref, voilà. Celle-là, elle est super. Elle est sympa, mais on peut faire mieux. On va faire mieux. Avec ça, on va faire beaucoup mieux. Regardez.
C'est plus joli ça. Même si c'est pas... On gagne pas... le côté 3D quoi. Ouais, on gagne le côté 3D. On va faire mieux, vous inquiétez pas. Après j'avais commencé... J'avais commencé, voilà, à faire une... J'avais essayé de faire une map de village. Et vous voyez, j'avais commencé à faire la rivière. Et rien que ça, ça m'avait pris peut-être 2 heures à faire. Hein. Alors qu'en 2 heures... Avec le logiciel, quand on sera au point, ça sera beaucoup plus rapide. De 2 heures, tu passes en... Bon, je vais pousser à 2 minutes, mais peut-être pas. Mais. Ouais, allez, 15 minutes. Mais il nous reste encore pas mal de préparatifs à faire. Parce que là, par exemple, j'avais déjà placé du... Ben là, par exemple, il faudra des transitions entre l'eau et la terre, le gravier. J'avais mis des petits buissons qui étaient sympas aussi. Il faut qu'on les fasse. J'avais fait ça aussi. C'était pas trop mal. Ah, j'avais utilisé du sol champignon, tu vois. Qui est pas mal. Pour les fenêtres, on fera peut-être un truc comme ça. Donc là, pour les murs, je voudrais bosser sur les murs. On va déjà bosser sur les murs extérieurs, un peu comme j'avais fait là pour le... Pour la cobble. Non, stone brick. La stone brick. Justement, il nous faudrait peut-être des murs en cobble, non ? Ouais, Cobug, ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Juste avant de passer, tu regardes, parce que tu avais 2 dossiers, en fait, dans ce que je t'ai envoyé. Ah. Je m'en débarrasse, et puis... Ouais. Non, mais tu m'embêtes pas. C'était Wood Forestry. Ah. Ouais, c'est ça. Oh, en fait, non. 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 Non, 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 non. Non. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, mais t'avoueras qu'il y en a des sympas. Non. Ouais. Ouais, mais non. Beaucoup trop. Mais alors après, plus sérieusement, à la limite, je préfère qu'on rajoute plutôt des objets fabriqués plutôt que des objets naturels pour l'instant. Okay. Sauf parce que pour l'instant, je voudrais qu'Astroterre soit dans un monde qui est vraiment très Minecraft vanilla. Pour vraiment qu'on s'imprègne un peu de cet univers, quitte après plus tard à créer. Quitte plus tard à. Voilà, à intégrer plus tard des endroits un peu plus spéciaux, mais au moins, les joueurs, quand ils découvriront ces zones-là, ils sauront que c'est une zone spéciale, pour, même pour l'univers qu'ils connaissent et qui est différent. Alors que si dès le début tu mets des choses, ça paraîtra normal. En fait, là, comme on était dans la construction des outils, pour moi, c'est que des outils. Après, voilà. Bien sûr. Mais je dirais, moi, je voudrais qu'on construise un outil de base pour pouvoir commencer, quitte après à rajouter des choses. On peut toujours rajouter, tu vois, sur notre texture, on peut se dire qu'on se laisse de la place pour rajouter plus tard d'autres textures. Et ça, ça posera aucun souci. Et puis peut-être à voir si on peut carrément rajouter, comme je te posais la question, il faudrait que je regarde de mon côté, dans le logiciel, si on peut rajouter des onglets carrément entiers de textures, tu vois. Bah là, c'est ce que je fais, tu vois, les jeux de tuiles, j'ai plusieurs onglets. Hein. Ah oui, mais tu m'as dit non tout à l'heure, en fait. Bah, tu me parlais des tuiles, des onglets en bas. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah, je vais... Mais dans les jeux de tuiles, j'ai autant d'onglets que je veux, en fait. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Ok, ok. C'est moi qui... Alors, du coup, les murs. Cobble, on avait dit. Oui, monsieur. Bon, je vais utiliser le même principe que j'ai utilisé pour la stone. Et en faisant la cobble, on améliorera aussi, je pense, par rapport à ce que j'avais fait pour la stone. Et du coup, a posteriori, on modifiera sûrement la stone. Mais on va repartir sur... de A à Z sur de la cobble. Alors... Affichons la grille. Alors,
On va aller récupérer la texture de cobble. Après, la cobble sur la partie haute, tu peux presque la texturer. On envoie un peu de pierre, tu vois, et puis... Alors, elle est où la cobble ? En enlevant un peu de pierre ? Bah, comme s'il y avait des... Imagine, des reliefs. Ouais, c'est ça, un mur en galère, entre guillemets, qui n'en manque un ou deux par endroit, tu vois, ouais. Ouais, Minecraft, cubique... Pardon. Non, mais je comprends ton idée. Mais... Je me dis qu'il faut... Minecraft, cubique... Faut peut-être pas trop aller dans ce sens-là, pas trop. Alors, cobblestone. Mais ça empêche que... Cobblestone. Wow. Alors. Cobblestone. Donc. On va la dupliquer trois fois. Donc là, on a, pardon pour les bruits de Windows, droit, centre, et là c'est gauche. Du coup, en fait, à droite, on va rajouter un petit liseré foncé. Voilà. Et à gauche, on va faire pareil. Voilà. C'est pour délimiter vraiment les murs. Ensuite, faut qu'on rajoute le sommet. Donc, du coup, on va fusionner. Ton liseré, tu ne mettrais pas en haut ton... tes blocs aussi ? Pour vraiment séparer la face du haut, tu vois. Après. Après. En fait, je vais le rajouter, mais sur la partie supérieure. Sur la partie supérieure, ok. Hop. Hop. Donc, je vais le rajouter, mais ouais, sur la partie supérieure. Après, la question c'est est-ce que je le rajoute foncé ou je vais le rajouter. Parce que là j'ai mis du foncé. De toute façon je vais éclaircir après. Oui, t'es éclairci le haut, t'as pas foncé le bas. Non, je vais faire les deux. Comment ? Ah oui, d'accord. Et fromage et dessert. Ouais, là je suis pas sûr de ce que je fais là. Non, c'est pas joli. Éclaircis peut-être d'abord et ensuite tu fais ton trait. Ouais, tout à fait. Je vais faire ça. Alors on va mettre 10 en luminosité, en contraste, 5, peut-être 20 en luminosité, 10, ouais c'est pas mal. Et en bas. D'habitude on est à moins 30, oula ça fait beaucoup, et on est à contraste moins 10. C'est ça, moins 30, moins 10. Oh c'est pas... Peut-être moins 20 seulement. Après je suis en train de poser la question si la partie haute t'aurais pas plutôt intérêt à faire comme on fait avec les autres blocs, à réduire à 16 pixels de haut, mais en gros garder ton 32 mais réduit à 16, tu vois. Ah tu ouais. Oui, tu dois avoir raison. Et ce que je n'ai pas fait là-haut, tu vois. Et c'est pour ça non, que je dis qu'on. C'est pas choquant. Ouais, parce qu'on a un bloc. C'est peut-être moins choquant, faudrait essayer voir ce que ça donne, mais c'est moins choquant sur la stone brick, mais là sur la cobble, c'est vrai que ça.
Ouais, t'as raison. T'as raison. On va rester sur du moins 10, moins 20 peut-être. Ouais, moins 15. Ah mais non, faut attendre, faut pas que je fasse ça, du coup, comme je vais recommencer. Ok, donc... En fait, faut que je fasse ça. Ah. Ah. Donc, taille de l'image, hauteur 16 pixels. Hop. Oula. Oh, le chat, mais c'est pas possible. Ah, il nous fatigue le ça, le chat. C'est spécial. Hein. Je pense que où tu fais ton erreur, Oran, c'est que tu pars sur un 96 par 32. Pars sur un 32-32. Ça changera rien. Pas sûr. Hop. Merci Mickaël, avec un peu de crème fraîche et puis du poulet, ça sera parfait. Alors. Non, ça change rien. Non, en effet. Je vais quand même regarder ce que ça donne. Ah, c'est pas mal, remarque. Quand on prend un peu de recul, c'est pas si pire. C'est bien, je voulais dire. Ouais, je suis pas convaincu à 100%, mais je veux bien le retour du chat. Alors, on va tricher un peu. Enregistré. Pas grave. Moi, je trouve que quand on dézoome, c'est pas mal. À tester en jeu. Ouais. Avant de tester, fais donc tes coins ronds de chaque côté, ça sera fait. C'est ça. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Hop. Ah oui, puisque bien avec Mickaël, c'est tant qu'à faire, il nous envoie les champis, il nous envoie les quatre faces, enfin les quatre textures de champis. Ah bah génial, merci Mickaël. Alors, je pense qu'il faut du coup que j'efface quand même. La luminosité. Hop.
Hop, alors testons en jeu. Alors pour tester en jeu, on va effacer une des tours. Hop. Voilà. Toi, on va te pousser. Hop. Et... Ah, j'ai mal placé mes... Mais mon set. Alors, hop. Hop. Ça fait des grands murs, mais c'est pas mal. Bonne nuit Maxime, ça. J'espère que t'as passé un bon stream chez Grévy. Bonne nuit à toi. C'est les Dragomax. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter... hop, voilà, un peu d'herbe. pour qu'on soit pas perturbé. Hop. Voilà, on fait un terrain un peu mieux en dessous. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Mimiche? Moi, je dis que ça marche. Ça marche, hein? Si je me mets... Là, je suis à quel... Il est où, mon niveau de zoom? Ah, je suis à 200%. Si je me mets à 100%, ça choque pas, hein, à 100% le mur, non, en fait. Non, du tout, tu vois... La perspective est pas si mal, hein? Non, la perspective est bien, en fait. 200%. J'aime bien aussi à 200%. 200%, c'est ce que tu avais juste avant, non? Mmh. Ouais, bah c'est ça. Ouais, non, c'est... maintenant, je serais curieux de tester, voir si tu refais le haut des murs en stone brick, pareil. Ah! Ah oui! Mmh. Mais attends, parce qu'on n'a pas fini la cobble. Ouais. Maintenant, arrivent les trucs chiants. Pardon. Les petits murets. Là, on a fait la partie simple. Après, en même temps, les petits bouts, c'est que des... Tu prends des bouts et puis tu cognes, quoi, non? C'est ça? C'est pas aussi simple que ça. Ah, pardon. C'est pas aussi simple que ça. Alors. Et en fait, c'est là où j'ai fait une... Counerie... Alors. Chine, connerie. Il est mort. ah oui, peut-être bien. Oui, il est mort cette année. Bon, l'année dernière. Oui, c'est vrai, l'année dernière. Alors. Parce qu'en fait... Ouais, c'est là qu'il va falloir tricher pour avoir une transition qui soit plus belle, entre guillemets. C'est ça, ça va pas être simple, en fait. Après, faut que je triche sur les ombres aussi. Alors, en fait, il y a des murs qui sont inutiles là, mais je sais plus lesquels c'est. Ils sont inutiles... Je me pose la question si c'est pas les deux carrés rentrant, ça fait une espèce de U au final. En fait, attends.
où c'est ceux-là alors ? En fait, j'ai besoin. Je crois que c'est ceux-là que j'ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Donc, ça aussi. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Et ça, oui. Donc, c'est ces deux-là que j'ai pas besoin, en fait, qui servent à rien. Ces deux-là. Vous parliez d'immobilier en France et en Suisse. J'aurais pas dit ça instinctivement, mais ouais. Alors, on va. Donc, ça, c'est. Cobble. Muret. Gauche. Hop. Ça maintenant c'est droit. Et donc sur le gauche, il faut que je rajoute une petite ombre que je vais aller piquer. Ah, j'avais fait les ombres. Des fois, je fais des trucs bien, en fait. Ah oui, tu avais un quinco d'ombre entier, ouais, bah ouais. Pas mal. Ça pour copier-coller. Ouais. Sachant que... celui-là sert à rien. Alors... Mais si ? Non. Non ? Ah oui, non. Par contre, tu laisses ta texture comme ça, ton muret. Je fais un test comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, il faut que je rajoute une bordure, t'as raison. Enfin, il y avait ça, et puis dans le sens où, en fait, là, tu vois, enfin, pour moi, tu vois que ça fait deux trucs. C'est un truc répétitif qui a été empilé, tu vois. Bah, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, ouais. En même temps, c'est Minecraft, c'est des cubes, donc tant pis, des cubes, ouais, t'as raison. J'ai pas trop le choix en fait. Non, parce que attends, ça fait. Non, t'as. Si, je suis obligé là, c'est la partie haute. Donc ça là, je le mets deux fois, je suis obligé. Ouais, mais ça fait. C'est bien qu'un cube en soi dans le jeu. Comme t'es sur deux carrés, ça fait qu'un cube. Non, ça fait deux. Tu sais, c'est comme si on avait nos tables de craft. Nos tables de craft, quand elles ont le cube, enfin, quand elles ont le couvercle, ouais. Il fait que 16 pixels de haut. Donc si je veux mettre deux tables de craft, bah, je mets deux couvercles. Donc ça fait deux blocs. D'accord. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? En profondeur, on a deux blocs, en fait. Mmh, ouais. Mais par contre, j'ai pas fait le liseré à droite, là. Et ça va manquer. Je pense. Même à gauche, en fait, faudrait que je le fasse. Hop. Du coup. C'est peut-être un peu foncé. En fait, la lumière elle vient de la gauche. Donc faut que j'éclaire plus à gauche qu'à droite.
Ah, mais j'ai fait une boulette. On va y arriver. Voilà, on va y arriver. Je n'ai pas changé de calque. Alors, mur est gauche. Mur est droit. Voilà, on va rajouter un peu d'irrégularité quand même. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, donc je reprends un mur à gauche. Salut poule peureux. Mais je crois que je t'ai déjà dit salut. Je ne sais plus. Donc après, faut qu'on rajoute la partie supérieure. Ouais, c'est ça. Et donc ça c'est muret gauche up. Arrive un moment je sais plus comment les appeler hein. Donc cobble haut, il faut que je récupère celui-ci. Que je mets là. Voilà. Ouais, sauf que faut que je garde mes pixels. Voilà. Pas évident hein. Je m'y perds un peu. Il y a de quoi s'y perdre. Et donc là après c'est celui-là qu'il faut que je retrouve. Que je mets là. Et donc là on a cobble muret gauche down. Voilà. Donc maintenant faut que je fasse l'inverse. Donc
En fait, t'as juste une symétrie centrale à faire, non ? Je me trompe ? Tu te trompes. Alors, je t'explique pourquoi. À cause des ombres. Ah oui, je t'aurais pas. Mais elles sont sur Radiant que séparées des ombres. Non, non. Les ombres de la... liées à la texture. Ah oui. J'avais déjà fait ça pour les. En fait, j'ai eu exactement le même raisonnement que toi. Pour les murets en stone brick. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que la lumière est orientée sur les textures. La lumière, elle vient de gauche, en fait. Donc si tu fais des symétries, ça fait des trucs très chelous. Donc il faut éviter les symétries. Dommage, comme tu dis. Hop. Et là... au niveau des liserés et tout, faut faire attention à la couleur du liseré, tout ça, c'est pas évident. Ouais, c'est une fougue de petits détails qui fait que ta texture garatou réussit, quoi. Ouais, et encore, je suis pas pro, hein, donc elle va être sûrement... Oui, non, mais... Mais oui, oui, c'est... Ça passe ou ça passe pas, quoi. Hop. Voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai appris des choses déjà en faisant la stone brick, tu vois, et que je vais essayer de faire, je sais pas si ça sera mieux, mais en tout cas... Aussi bien. Ouais. Hop. Voilà, donc là on a... Alors... Cobble, muret, droite. Down, appelé comme ça. Hein. Donc ensuite, il faut que je fasse celui-là. Donc là, j'ai besoin du muret droit. En fait, je peux le dupliquer. Je le mets là. Et ensuite, j'ai besoin... de ça. Là c'est pas droit, c'est pas en fait. Ouais. Non, celui-là. Voilà. Ensuite, ok, donc maintenant j'ai besoin de faire ça, donc ça, c'est plus simple, c'est ça. Hop, voilà. Et donc ensuite, au niveau des ombres, ça, je vais le décaler. Pour le mettre ici. Je le mets à 50%. Voilà, je fusionne, et donc là j'ai besoin de ça, c'est quoi ça, ok, hop, et
J'ai besoin de ça. Et normalement, j'ai fini. Le petit coin gauche. Là, je vais pouvoir aller au petit coin. Hop, on enregistre et on teste. Alors. Donc, ici, j'ai besoin d'un coin comme ça. Hop, petit rebord. Hop. Et ben voilà, ça marche nickel. Ça marche, il y a juste la transition en haut à gauche qui fait... à droite, pardon, qui fait bizarre, mais... Ah oui, ici, non. Ah oui, là, il y a une petite erreur. Je me trompe de calque. Voilà. Alors, en haut à droite, tu disais ? Ouais, en fait, entre... mais c'est la texture qui fait ça, hein. Ouais, sur cette partie-là, voilà, sur la partie où t'avais la souche. Ah ouais, tu trouves que ça fait bizarre ? Bah, je trouve que ça fait bizarre avec le retour du mur qui revient vers nous, tu vois, entre guillemets, mais bon, après, on ne peut rien. Ouais. Bon, c'est. Bon, c'est pas mal quand Est-ce même. Est-ce que t'as. Attends, tu peux rezoomer dans l'image ou pas, s'il te plaît ? Oui, après, je peux rezoomer, oui, tout à fait. Et donc le fameux coin que je te disais en haut à droite, ouais. Ouais. Peut-être ta bordure. Non, pourtant t'as qu'une bordure. Non, bah non, ouais. Non, c'est logique. Non, bah non, rien. Ok. Rien de plus, en fait. Moi, je suis pas choqué, donc. Ok, bon, bah, si toi ça te choque pas. Bon bah non, ça me choque pas. Non, je pense que c'est pas mal du coup. Je pense qu'on tient quelque chose de cohérent. Tiens, juste pour le test, je voyais que t'avais la stone brick de sélectionner. Mais donc un coup de stone brick en plein lieu d'un mur de cobble, on va voir comment ça se comporte. Voilà. Ouais, ça marche. Je voulais tester justement faire un soubassement en cobble par exemple. Et hop. Ça passe hein. Ça marche. Passe. Bon, on a des murs en cobble. Et donc vous avez vu hein, toutes les petites transitions là, tous les petits murets et tout. Là j'ai fait ça relativement vite parce que j'avais galéré pas mal à le faire avec la stone brick au début. Pour Mais et c'est là que j'ai une mauvaise nouvelle. Si on est logique, alors je sais pas en fait qu'à stone brick j'hésite à la changer tu vois. Ouais je le comprends. Si on est logique la stone brick, on faudrait qu'on reprenne la face, qu'on la mette à la. Oui. Mais comme ça, ça marche super bien. Oui, mais tu sais pourquoi ça marche ? Parce qu'à mon avis, dans notre esprit un peu déformé minecraftien, ça nous fait penser au stone slab. Parce que moi, j'y ai pensé. Quand je l'ai fait, je me suis dit ça fait penser à des stone slab. Mais les. En fait, il y a un souci sur la texture de stone brick. En fait, le problème, c'est qu'en fait, elle est pas. Tu vois, ça fait un. En fait, t'as deux carrés en bas et un rectangle en haut. Ouais, c'est ça. Et ça perturbe les transitions. Donc, j'ai un peu galéré. La cobble, là, c'était plus simple finalement. Ouais, bah oui. Parce
Par exemple, RoboFox. Et là, tiens, je suis curieux de voir un truc. Oula, ça fait bizarre là. Bonne nuit, Starfleet. Bonne nuit, Starfleet. À bientôt. Là, tu vois, ça fait bizarre hein, si je mélange. Ouais, ça fait bizarre parce que t'as pas d'épaisseur. Ouais. Ouais. Mais. T'aurais une épaisseur, ça marcherait. Ouais. Alors, est-ce qu'il faudrait pas faire ce que tu dis? Sûrement. Sûrement. Est-ce que ça va pas prendre forcément beaucoup de temps à faire juste un mur droit, tu vois, juste la partie droite en fait. Ouais, non, on peut tester. Et puis, tu vois, après, avant de faire tous les petits bouts. Mais... Yes, non, la partie droite, c'est pas long à faire. Alors. Ouais, au moins faire ça, et puis après, on ouais, voit. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Faut juste que je retrouve du coup. Parce que c'est pas très bien rangé. Voilà, c'est là. Hop. Puis après, il va falloir que j'éclaircisse du coup. Alors. Ah oui, non, tu le ferais pas à côté plutôt, parce que quand tu vas enregistrer ton fichier, tu vas te retrouver avec un... Bah non, au contraire, ça va changer partout. Ouais, ok. Bon, tu reprendras un autre bout à côté pour refaire. Ouais. Tu reviens là. Ouais. Bah en fait, j'ai pas effacé celui qui est en dessous. C'est juste un calque par-dessus. My bad. Hop. Pas mal, hein. À première vue, ça rend mieux, mais... Première vue, ça rend mieux. Ah, par contre, là, il n'y a pas... Pourquoi ? Ah bah oui, si, c'est normal. Ouais, non, c'est normal. C'est normal. Tout est normal. Tu vises OK, Mickaël ? Hop, j'enregistre. Ouais, je sais pas. Moi non plus pour finir. En fait, c'est le problème vient de ce qu'on disait là, que le bloc, en fait, il a deux petits carrés en bas et un gros rectangle en haut. Ouais.
En fait, non mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, la logique, ça serait qu'il y ait des deux petits carrés en bas. Ouais, en fait, même pas. La logique voudrait que, comme c'est des briques, que tes murs, en fait, que tes Ouais, mes jonctions, elles soient raccord. Je me rapproche de mon écran pour te faire voir, mais ça marchera pas. Mais que tes jonctions du haut soient raccord avec tes jonctions du mur. Ouais, mais je sais pourquoi. Je vois où est le problème. Alors, attends. Je vais le corriger. Toujours pareil. Hein. Pendant que tu travailles sur les petits coins, moi j'y vais. Ah. Alors. Il fallait que je la fasse celle-là. Ah mais non, ça va rien changer. Si, ça va changer. Si. Mais c'est vraiment cette texture qui est particulière qui fait que... Hop. Voilà. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. La Smooth Stone Slab, elle porte l'ancien nom sur son pack qui était Stone Slab. Hein? Mais on a quand même le souci ici. Ouais. Ah. Regarde, c'est mieux là, sur le mur et du haut. Ah oui, sur celui du haut, c'est mieux, ouais. Mais le problème se fait sur le mur et du bas là. Ouais. Et ça, je peux rien y faire. Donc retour au départ et puis on regarde, tu vois ta structure smooth au dessus. Bah je sais pas. Bah, regarde, c'est pas déconnant non plus sur un mur vraiment. Ouais, sur un mur droit, ouais mais non, c'est pas logique, tu vois. Ouais, c'est pas logique. Ou alors, si, attendez, attends. C'est des briques. Donc ta brique, ta face est... Ouais. Alors la solution, ça serait d'inverser. Voilà, exactement. Belzex dit, arrive à la même conclusion. Inverser la partie supérieure et inférieure de la brickstone. Exact. Voilà. Je pense qu'il a raison. C'est ce qu'il faut faire. Tu sélectionnes ton bas, tu fais un miroir. Non, sinon on va avoir le problème de lumière, Mimiche. Ouais, toujours, c'est chiant ça. Mais oui, c'est chiant. Ouais. Je suis d'accord, c'est chiant. Non, mais regarde, je vais trouver une solution. Alors, par contre. Là, faudrait que je garde le petit liseré, je pense. Tu me l'avais avant ou pas? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que oui. Ouais. Voilà. Hop. Du coup, je duplique. Des copies de gank. Ouais, en plus c'est pas renommé et tout là, je... C'est fait comme un sagouin là, j'avoue. Non, c'était un test. Tu vas renommer quand ça sera fini.
Pourquoi je retrouve plus mon calque? Et what? Ah. Bon, je sais pas ce que j'ai merdouillé. Hop. Voilà, ce côté-ci. Très bien la musique Tam Tam. Je me demandais et pourquoi il y avait des banameurs qui passaient dans votre chat d'un coup. Et voilà. Ah ben voilà. Quand on veut, on peut. Le mec vache, tu sais. Bah c'est pas bon, mal. Bah, plus, hein. plus qu'à faire les petits coins. Yes, et c'est ça qui est relou, les petits coins. Parce que comme c'est des briques, je suis obligé de tricher sur les petits coins en fait. Ouais, ça va être ça. Mais ça fait mieux sur les parties, parties longues. Hein. Ouais, et du coup, si je mets une partie longue là, alors maintenant, peut-être pas comme ça, mais... hop. Ouais, ça fait. Bon, ça fait bizarre parce que. Mais ouais. Parce que c'est texture de cover et puis de stone brick à côté, mais en soi, ça marche, quoi. Ouais. Ouais, ouais, en soi, ça marche. Voilà. Une petite alternance. Pour une alternance, ça marche, quoi. Je peux peut-être mettre. Voilà pour faire des créneaux. Moi, ils sont grands, tes créneaux, par contre. Ouais, mais je peux pas les faire plus petits, là, pour le coup. J'ai pas ce qu'il faut. Pour les faire plus petits, il faudrait que je rajoute une texture ici, une demi. Ouais, un demi bas, quoi. Bah écoute, tu vois, c'est peut-être le truc à faire. Peut-être que ça pourra servir dans certaines circonstances. Peut-être. Bon, c'est pas mal ceci dit. Bon, on fait cette modification. Alors là, purée. Du coup, ça va me permettre de faire un peu de rangement parce que c'est le bordel. Donc, ça, c'est le stone. Wall. Up. Ah, j'ai un petit décalage de un bloc. Tu dois avoir ton Y, t'as pas dû récupérer en fait. Ouais, bah je vais fusionner, c'est pas grave. Ouais. En fait, je pense que Y, il va venir dans notre calque ou sur le centre. De toute façon, je pourrais presque repartir de zéro en fait. Sérieux? Non, je réfléchis en fait. En soi, ouais, t'as presque intérêt à repartir de zéro pour pas être influencé par, par ce que t'as en dessous en fait. Hop.
Alors, ça c'est... Le bas. Ça, je peux le virer. Voilà, j'ai un up qui est bon, un bas qui est bon. Donc ça, je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Bon, je peux presque tout virer, tout le reste. En fait, je pense que tes transitions de côté, tu vas être obligé de jouer comme si tu avais des briques qui s'imbriquaient oui. les unes dans les autres. Oui, tout à fait. Je vais faire comme s'il y avait des petites briques. C'est ça qui fait bizarre, en fait. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est bon. Ah, attends. Et là, je peux virer ça. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi il y a un trait noir. Je vais le. Oui. Voilà. Voilà, j'ai un truc propre. J'ai plus rien, mais j'ai un truc propre. Et on va faire du coup le même agencement que ici, en fait. Alors. Donc là, il me faut ça. Non, ça c'est gauche, donc il me faut ça. De côté là. Deux fois. Hop. Et donc ça c'est le stone wall gauche auquel je rajoute un petit liseré ici. En fait, ça va faire plein de petites briquettes. Ah oui. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. Bah ouais, non. Je peux pas faire des demi-briquettes. Bah, ça ira pas. C'est pas cohérent. Cohérent. Non, parce que attends, tes briquettes. Attends, on me voit du. Ça, c'est le truc qu'on voit du dessus. Oui. Donc, tes briquettes, elles sont censées être dans l'autre sens. Elles sont pas censées être dans ce sens-là. Elles sont censées être dans la longueur. Je veux dire pivoter de 90 degrés.
ou pas? Non, tu te trompes pas, mais je peux pas le faire. À cause des ombres. Ouais. Et là, si j'enregistre. Ah non, c'est pas logique ça. Bon, là, il manque des blocs. Hein. Ouais, non, mais. Sur le principe, c'est pas logique, tu vois. En fait, par exemple, ta transition entre sur la partie haute, en haut à gauche, par exemple. Oui, oui. Mais alors, du coup, il faudrait quoi? Ouais, non, faut retourner à 90, mais c'est vrai qu'on a un problème de nombre, quoi. Parce qu'après, le problème, c'est que là, on est sur, en termes de largeur, on est sur un demi-bloc, là, quand même. Mais en fait, Mickaël, il t'a dit qu'il faudrait presque des 16 par 16, moins sur route, pour faire un 16 par 32, mais... En fait, c'est ça le truc, on est en 16 par 16, quoi. Donc là, on est en 16 par 32 de haut. Plus qu'on moins. Ou en 32, j'ai un doute. Non, je pense à ça. Attends, mais je pense. Enfin, j'ai une petite idée. En fait, j'ai pas pris le bon truc. C'est ça que je dois prendre. En fait. Mais en l'éclairant différemment. Pour qu'il soit clair, quoi. Voilà, dans ce cas-là. Ouais. Ah, je suis pas sûr. Enregistré. En fait, si, mais non, mais ça revient même. Non, pour. Il faut que je le fasse, hein. Il faut que je le rétrécisse. En fait, ça revient au même. Non, si je prends 32 par 32 et que je réduis en 16, on va avoir un trait au milieu, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, là, on triche, on est sur des demi-blocs, en fait. En fait, la perspective, là, elle est pas bonne, parce que... Là, c'est comme s'il y avait un bloc, donc là, c'est comme s'il y avait deux blocs, en fait. Mais un bloc coupé en deux, en épaisseur. Alors que là, il n'est pas coupé en deux. Parce qu'en fait, la logique voudrait presque... Ici, on a un bloc plat, en fait. En
En fait, il faudrait presque ici des blocs pleins comme ça. Bah non, ça fait bizarre. Oui. Oui, ça fait bizarre parce que là, le bloc que j'ai, il est pas en perspective. Ouais. Non, mais non, parce que ta perspective, elle serait pas dans le bon sens, vu comment on est parti. Non mais en fait oui, non mais c'est que en fait là il y a de la triche ici. C'est-à-dire que en fait le muret qui est horizontal. Il fait un bloc de profondeur. Et un demi-bloc de haut. Là c'est comme si on avait une dalle de stone. Une dalle de cobble. Alors que sur le côté, c'est comme si on avait une dalle verticale. Ouais, bah oui. C'est donc c'est de la triche. C'est ce que disait Mickaël, ouais, c'est ça. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il disait qu'il faudrait. Il dit qu'il n'y a pas de verticale dans Minecraft et que c'est dommage. Exactement. Donc en fait, une des solutions, c'est de revenir à Minecraft. C'est-à-dire de faire que des blocs pleins. Ouais, mais est-ce que honnêtement, tu te vois avec un. Ah, Mickaël, t'as posté une idée sur le Discord. Là. Idée qui me plaît. Mais il n'y a pas la perspective là, si. Oh, c'est pas au bon endroit. Non, je crois pas, mais faut qu'on voit. Non, mais je pense que c'est juste pour. Hop. Ah, j'avais pas vu ta stone en fait, Mickaël. Je comprends mieux la discussion que t'avais sur les ID de bloc. Alors. C'est pas là. C'est là. À tester. Je change juste un poil la luminosité pour que ce soit raccord. Pas trop mal. C'est peut-être le moins pire. Je pense que ça sera le moins pire. Faut voir comment on arrive à faire la transition avec les autres, mais ouais. Ça fait des toutes petites briques. Ouais, visuellement, ça paraît plus logique, ouais. C'est vrai que plus logique visuellement, enfin, ouais, c'est ça, visuellement plus logique, ça serait que ta brique en fait passe de horizontale à verticale, mais dans Minecraft, y a pas quoi. Mais voilà, le péché originel c'est d'avoir voulu rajouter des dalles verticales. Parce qu'en vrai, il faudrait un bloc plein. C'est-à-dire deux blocs l'un derrière l'autre, en fait. Et ça solutionnerait le problème. Mais ça ferait moins joli. Ouais, c'est ça.
que là, effectivement, on triche là, en fait. On fait comme si on avait des dalles verticales. Non, mais je sais pas. T'imagines ta maison là, ou ton bout de construction avec que des blocs bruns sur les quatre côtés? En même temps. Oui, mais en même temps, là, regarde, j'ai fait une tour, elle fait 5 blocs de large. C'est rien dans Minecraft, 5 blocs. Ouais, c'est vrai que c'est rien. Là, le problème, c'est peut-être l'échelle. Hein. J'ai peut-être pas construit à la bonne échelle pour faire des tests. Peut-être aussi. Et après, c'est le truc, c'est qu'avec avec le problème qu'on a avec la stone brick, on va l'avoir avec tous les blocs qui ressemblent. Là, par exemple, la sandstone. Ouais, une stone brick. Le bois avec les planches. Donc, est-ce que on n'est pas en train de se prendre la tête alors qu'en fait. En fait, faut qu'on se prenne la tête maintenant pour se dire on fait comme ça et c'est comme ça pour tout. Ouais. Donc, est-ce qu'il faudrait pas changer et faire un bloc plein pour tout, quoi? De toute façon, puis en bloc plein, ça résout beaucoup de problèmes parce que t'as plus les transitions, enfin t'as plus tous les coins à faire, t'as plus tout ça à faire quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est moins joli quand même. Ouais, non, mais c'est voilà. Parce qu'en bloc plein. Je vais tester avec la cobble. Je sais plus. C'est plus abouti déjà notre truc en cobble. Non, non, c'est pas ça. Salut Mathis Gilet, bienvenue à toi. Oups. Hop. Donc. Architecture, hop. Voilà. En bloc plein, voilà ce que ça donne. Quoique, c'est pas plus déconnant en fait, quoi. Bah, c'est même mieux en fait, hein. C'est mieux, c'est plus simple à faire. Que des avantages, quoi. Et salut Arcadius, bienvenue à toi. Ça fait moins détaillé, mais. Je pense qu'un détail on rajoutera sur les. Pas les objets, la déco. Les objets, des choses comme ça, ouais. Et là, au moins, c'est cohérent, quoi. Ouais, c'est... Je pense que c'est des mots appropriés. Nickel. Fait une heure qu'on se bat, et puis tu te fais... Ah, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Alors, attends, là, j'ai un petit... Hop, voilà. Hop.
plus. Ouais, non, en fait, c'est mieux comme ça. Et puis c'est univers 5, quoi. Bah ouais, et puis voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as ton dessus, ta face, tu fais ce que tu veux. Et ton côté. Non, t'as même pas de côté, c'est dessus et face, et point. Bah j'ai que ça, en fait. Ça, là, j'en ai pas besoin. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le jeu de Davlek, Lemonzy. Davlek, il a fait un jeu de cartes, si je dis pas de bêtises. Mais c'est... Ouais, c'est un jeu de cartes de mémoire. Et tout... Non, c'est pas ce que t'as eu à Noël en cadeau. T'en as eu un autre sur Minecraft, mais c'est pas celui-là. T'es... Non, c'est pas celui-là. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu le temps, enfin, le temps et l'occasion, surtout, d'y jouer. Bon, bah du coup, on part là-dessus, hein. Parce que c'est ouais, plus... Bah ouais. En plus, enfin, voilà, on va moins se compliquer la tête sur les prochains blocs, parce ouais. qu'on aura tout plein de blocs qui poseront problème, quoi. Alors, du coup... Et avant que la question soit posée, la deuxième voix que vous entendez avec Oran, c'est Mimich, donc, qui suis modérateur et qui aide Oran sur la création du jeu de rôle, puisqu'en fait ce qu'on est en train de travailler ensemble ce soir, c'est des textures pour un futur jeu de rôle basé dans l'univers de Minecraft. Hop. Aussi Gravity Craft. Et salut toi avec Princeps, bienvenue. Augmenter le son de la personne qui est avec moi. Ah, vous entendez pas très bien Mimich? J'ai peut-être bougé mon micro tout à l'heure. Ah ouais, en fait, t'es moins fort que d'habitude. Ouais, non mais... Et j'ai pas vérifié parce que moi je t'entendais bien dans mon oreille, mais... Ouais, non sur mais... Sur le niveau du stream, effectivement, t'es plus bas. Ouais. Des fois. Ouais. Tu remets à 100%. Alors, ouais, ça marche. Mais voilà. Mon casque commence à être un peu fatigué, quoi. Enfin, je le change, mais ça sera pas en janvier, et ça sera pas en février, et peut-être pas en mars non plus. Donc... Alors, par contre, là, on a un effet bizarre avec 2 pixels. Non, ça fera partout pareil, donc c'est bon. Et Gravity Craft, voilà, faut le dire avant. Il est minuit, ouais. Vous me dites que Mimich, il est pas assez fort. Après, c'est peut-être. Ça a peut-être été bien jusqu'au moment où j'ai été voir les petits coins et puis. Je ne peux plus aller aux petits coins, Mimich. C'est ça. Voilà ce que ça donne. Ah, attends. Ouais, très bien. Non, ah, non, il y a des trucs. Ah, j'ai supprimé un truc qu'il fallait pas supprimer. Ah! Il me faut quand même le demi-bloc. Mais on va le mettre ailleurs du coup, pour optimiser un peu la place. Tu le mets en dessous au pire. Ouais, exactement. C'est ça qui me manque. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Et pareil sur la cobble. Hugues, pour te répondre, en fait, le jeu, pour l'instant, c'est rien du tout. Non, j'exagère. En fait... Pas tant que ça. C'est un futur jeu de rôle, en fait, un jeu de plateau, donc, qui jouera en ligne, sur le site Rogue20, pour préciser.
Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire avec Oran, c'est qu'on est en train de travailler un peu sur l'univers graphique du jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Et Gamonusé, donc pour te répondre, je t'ai en partie répondu. Donc Rogue 20 pour vraiment le moteur final du jeu. Et pour là, actuellement, Oran est sur Time 7 qui permet de créer toute la partie texture, en fait. Qui va permettre de créer les maps du jeu, en fait. Exactement. Bon bah voilà, sans trop se prendre la tête, c'est mieux. Je dirais. Pointe à toi, ma chère sorcière. Hey, coucou sorcière. Bonsoir. Bon bah voilà, c'est plus simple. C'est... Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, si on teste avec des objets. Enfin, si on met des objets sur le toit, par exemple, pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors, faudrait pas rajouter le nombre sur la partie droite du mur, gauche sur le toit. Si, en effet. En effet. C'est-à-dire que quand tu... Mais ça, en fait, on va le faire dans le... Quelques nombres. Voilà, le quelques nombres. Mais t'as tout à fait raison. Hop, voilà. Et là, peut-être plus. Non. Plus. Hop. Ça. Et ça. Voilà. Tout à fait. Vous avez raison. Et du coup, hop, après. Place. Ah, par contre, ça, ouais. Ouais, mais ton coffre est à l'ombre du mur. Donc ouais. C'est normal. Ouais. En soi, c'est normal. Ouais. Ouais, ouais. Pas si pire. Hop. Donc voilà. Il manque les ombres du bas en dessous des tours. Oui. Oui. Je vois ce qu'il veut dire. Ici. Ah, oui, d'accord. Après, vous arrêtez pas sur les détails, hein, on est juste sur les tests actuellement. C'est vraiment... Donc là, non, on va pas le mettre. Voilà, comme ça. Après, c'est le genre de truc qu'effectivement, faudra bien qu'on fasse le jour où on fera les vraies maps. Vraiment. Là, c'est juste... Après, justement, ça serait peut-être à voir en automapping. Est-ce que tu peux pas avoir un système... Dès que tu coches un bloc, ça met l'ombre, tu vois. Bah là sur les murs je pense pas parce que comme c'est des trucs custom enfin, je sais pas Bah, ou au moins que ça te casse une ombre basique tu vois la plus grosse et puis au pire quand t'as besoin tu mets des plus petites tu vois mais voilà le genre de truc qu'on peut obtenir sur le toit c'est pas mal c'est bien même. Et pour te répondre, sorcière, oui, c'est Oran qui va entièrement inventer la partie règles. Donc, il y aura aussi des phases de test où il faudra qu'on teste le gameplay. On fera des simulations de combat contre les monstres, etc. pour voir un peu comment tout ça se goupille avant de lancer une vraie partie. Mais ça, ça sera plus tard. Toutes les règles sont pas encore définies. Hein. Mais j'en ai quand même défini certaines, mais pas toutes. La fiche de perso est faite. Elle est faite à 80%, on va dire. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Bon, ça rend bien, là, avec les petits objets placés sur le toit. Ouais, ça rend bien, ouais. Hop. Ça rend bien. Bon, en fait, c'était ça la solution, hein. Ne pas se prendre la tête sur les blocs. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des fois où on veut les chercher trop compliqués, en fait. Faut qu'on reste basique. Et comme tu m'as rappelé, en fait, rester sur les blocs. Le cube Minecraft. Quoi. Ouais. Et en fait, tu vois, ce qui m'a, parce que c'est il y a longtemps que j'avais, enfin, que j'avais commencé à faire ces murs. C'est même d'ailleurs presque ce que j'avais fait avant, en premier. Et en fait, ce qui m'avait perturbé, c'était cette histoire de mur, tu vois, là. Ou je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais parti sur ça fait un demi-bloc. Mais non en fait, ça fait un bloc. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais bah oui en fait, ouais. Mais le truc c'est qu'on a en fait une distorsion. Parce que là le mur en fait...
Tu vois, il a pas la même échelle en fait. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, il fait 4 de haut. Ton bâtiment, il fait 4 de haut. Point. Non, il fait 8 de haut par rapport au coffre. Alors, dans ce cas-là, notre porte est surdimensionnée. Oui. Notre porte, elle fait 1, 2, 3, 4 blocs. Oui, mais c'est parce qu'on a un décalage par rapport au bloc. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, mon bloc gris foncé de stone, il devrait faire ça, en fait. Mais en gris foncé. Tu vois ce que je veux dire ? Pour oui, être d'accord. À l'échelle des... En texture, ouais, en texture, il devrait faire ça en gris foncé. Mais ouais. Je suis pas convaincu, tu vois. Je pense qu'il faut... Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Rien, mais... À c'est côté ? Ouais, mais tu ouais, vois, là, en clair, je trouve que déjà, ça fait moche, quoi. Ça va faire bizarre, non ? Pour moi, faut tester sur une. Je peux tester. Je peux tester, mais je faut tester en conditions réelles. Je suis pas convaincu, mais je peux tester. Ça Gravity Craft, on est d'accord. Mais justement, en fait, qu'est-ce que tu dis ? Et qui dit que nos bâtiments est disproportionné par rapport au terraforming quoi. Ah oui. Mais justement en fait peut-être que le fait de réduire entre guillemets la taille des briques, on va peut-être retomber dans des dimensions qui sont un peu plus réalistes. Et bonne nuit Arcadius. Bon, ça va pas être tout à fait parfait parce qu'il y a des petits liserés qui devraient pas y avoir. Si je refaisais ça à partir de la vraie. Ah bah attends, je l'ai pas la vraie texture d'ailleurs. C'est celle-ci, je crois. Ici, je peux le faire mieux. Dans tout ton bazar. Comment ça ? Je ne me permettrai pas. Non. Juste comme ça, j'ai directement la bonne teinte, écoute. Regarde donc. C'est mieux. Oh, vieux, antique. Chut. Ça va. Pas toi, ma Photoshop. Je sais. Alors, hop. C'est un vieux Photoshop. C'est la version 11 2008. Voilà. Mais bon, chut. Je suis pas prêt à dire, il y en a peut-être sur le chat qui n'étaient pas nés quand il a été fait. Peut-être pas quand même, j'espère pas en tout cas. Mais ça pourrait. C'est pas si mal. Ah bah oui, sorcière. T'as un nouveau clavier. Hein ? En vrai, c'est pas si mal, mais si on le fait pour ça, faudrait presque le faire pour tout, c'est-à-dire même pour la grâce, pour tout. Ah ouais, parce qu'en fait, tu vois, on récupère une échelle qui est plus logique par rapport au bloc objet, en fait. Ouais. Ah ben, Mikael, c'est bien, parce que tu réponds sans te vouloir à une question que je me posais depuis quelques streams. Ah, on a presque le même âge.
Par contre, Matisse, 2007. Voilà. Voilà, voilà. Donc, toi, t'es pourri, Astora. Je suis désolé, j'arrive à... Ce tic de langage, c'est horrible. Bah c'est bien, mais est-ce qu'on fait ça après pour... ou est-ce que pour le terrain, les choses à plat, on se dit qu'on ne le fait pas? Et sorcière, c'est Mimiche, que tu n'avais peut-être pas reconnu. Parce que si on le fait, s'il faut le faire pour le sol... Mais non, parce que ton sol il est bon en soi. Bah non. Bah attends, je... Non, parce que le sol c'est comme les blocs qu'on a mis sur le sommet de la tour. Il faudrait les doubler. Mais bon, ça, ah, oui. Ça pose moins de problèmes quand même. Visuellement. Visuellement, ça choque pas trop. Ouais, bah non, ça va mieux. Bon, c'est... On fait comme ça. Hop. Du coup, on dirait, on n'a qu'à dire, le terrain, on le laisse comme ça parce que c'est les choses à plat. Par contre, tout ce qui est en volume, on applique la règle qu'on vient de se fixer. Moi, je partirais aussi là-dessus. Ce qui signifie... Faudra reprendre la porte, en effet, Mathis. Faudra reprendre à prendre la porte. Toutes les portes. Pardon. Je vais pas me remettre de la blague. Je me retiens pour pas vraiment rire de la blague à la sorcière parce qu'elle est quand même assez marrante. Voilà, du coup ici c'est corrigé. Ok, du coup maintenant faut corriger la cobble. Par contre, la porte, faut courir. Bah, la porte, il va falloir qu'elle fasse. Ça va faire bizarre la porte si elle fait qu'un bloc de haut. Oui, en fait, c'est ce que je suis en train de me dire parce que. Faut que la caisse puisse passer la porte, tu vois, entre guillemets, quoi. Attends, Mickaël, attends. On est toujours dans trop vite. On est toujours dans la phase de test. Va pas trop vite. Alors, on va tester pour la cobble. Parce que ça se trouve, pour la cobble, ça va faire moins bien. Là, la cobble, elle rend pas si mal. Elle rend bien comme ça. Alors. Après, est-ce qu'on a besoin de toucher à la cobble, tu vois? Bah, pour respecter la règle. Oh, mais tu sais, les règles... Ouais, bah... Sinon, après, tout part à volo, quoi. Ouais. À mon avis, ça va faire moins bien pour la cobble, quand même. Hein. Bah, j'en ai bien peur, c'est pour ça. Ah ouais, ça a l'air dégueulasse. Ah, Mickaël, faut voilà. Tu dis, Hemp, j'ai besoin d'un... J'ai un cerveau en bouillie. Oui, bah, faut taquer. C'est vrai. Hein, ouais, pour la cobble, je suis quand même... plus sceptique. C'est logique, hein. Mais...
C'est moins joli. Mmh. Bah ouais, c'est moins joli. Ah non. Après, est-ce qu'on peut... Enfin, pour moi, faut faire des concessions par moment, tu vois. La Cobuck, clairement, c'est moins joli. Hein. La Cobuck, faut laisser... Elle marche très bien. Le bloc, en soi, fonctionne très bien. En grand, on laisse en grand. La Stonebrick, ça marche mieux en petit, on laisse en petit, tu vois. Mais la porte, à mon avis, faut la laisser comme ça. La porte, pour moi, faut la laisser comme ça aussi. Pareil, hein. Est-ce que tu peux mettre... Le lierre, logiquement, alors, attends, là, il fait un bloc de haut. Il est trop gros. Est-ce que tu peux mettre une porte sur un... Enfin, remettre la cobble comme elle était et mettre une porte sur un cobble, ouais. Bien sûr. Merci. Parce que toi, quand on trouve que la porte marche bien avec la Stonebrick, mais il faut aussi qu'elle marche avec la cobble, tu vois. Tout à fait. Mais je suis sûr qu'elle marche bien avec la cobble. Donc là, j'ai remis avec la cobble. Voilà. Je vais mettre une porte. Ça marche très bien avec la cobble. Ça, faut pas toucher. Je pense qu'à un moment, en fait, faut se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Ça marche, on garde. Donc, du coup, parce que le lierre, moi, je le trouve bien comme ça. Ah, je le trouverais gros, mais j'ai peur qu'en diminuant, ça reste petit, en fait, quoi. Bah ouais. Donc moi, la cobble, enfin la cobble stone, la stone brick, je serais presque à la... Alors, de quoi qui fait con avec le bloc, Matisse? Ça fait trop petit? Ça fait des petits objets? Attends, je vais attendre le retour. Non, c'est ça, il dit que ça fait des petits objets, en fait. Je pense, mais... Mais c'est vrai, hein. On va dire un peu trop haut sur la chaîne actuelle. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Il est trop gros par rapport à la chaîne, on va dire. Mais je serais assez d'accord. Tiens, le piston, il a pas d'ombre. Non. On l'a pas fait, en fait, parce qu'on savait pas trop comment on va faire. D'accord. J'avais triché. Tu m'as demandé des blocs sans ombre. Je t'en ai mis sans ombre. Après, c'est peut-être que j'ai fait ma tour trop haute aussi, hein, je sais pas. Non, bah non, pour moi non. Les autres textures sont trop grandes par rapport au coffre. Bah alors, je vois pas comment ça peut, puisque c'est tout le même principe. Il y a quand même un truc bizarre, je suis assez d'accord. Regarde notre petit coffre et notre double coffre. Au niveau des traits noirs, il y a un truc chelou. Ah ouais! Ton trait noir sur le double coffre est pas au bon endroit, enfin... Oui, il y a un truc. Mais je crois qu'on avait dit qu'on n'avait pas corrigé, en fait. Il y a un truc bizarre. Ouais. Oui, ton double coffre, en fait, ton trait noir, il est pas... Ouais, le loquet, en fait, il est trop... Faut que tu prennes ton double coffre et ton coffre simple, et faut que tu les mettes l'un à côté de l'autre et que tu les retravailles en même temps, en fait. Ouais. Pour avoir un truc unifié. Bon, ouais. Ça c'est un détail. On verra ça plus tard. Ouais. Mais au niveau de l'échelle. Et re-coucou à Gribi qui nous rejoint sur le focal. Ouais. Et re. Heureux. J'ai terminé mon live. Ah, ça s'est bien passé. Oui. Très très bien. Et du coup, bah, je profite de venir pour faire mon curieux. Bah, tu fais bien. On est en pleine prise de tête, comme on en a des dizaines sur la création de ce truc. Tout est question d'échelle. On revient à la même question. Merci GravityCraft, bonne nuit à toi. Bonne nuit.
Moi, je serais presque tenté de... Alors, attends, Oran, je peux pas me permettre, juste, ouais. Je t'interromps. Est-ce que Gribi, tu as le retour du live? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme ça ton avis sur les deux tours et leur proportion par rapport aux portes et aux objets à côté? Qu'est-ce que t'en penses? Les deux tours et le retour du roi, ensuite. Alors, ouais, j'ai beaucoup aimé le retour du roi. Il est assez long, mais... En fait, je me permets, parce qu'en fait, ça nous fait un œil neuf, tu vois, sur un peu sur notre travail de soir. Ouais, bah du coup, ce qui se passe, c'est que c'est un tout petit peu élancé, en fait. Par rapport, en fait, aux objets. Ouais, c'est bloc. Ils font plus élancés que si tu prends par exemple les fours ou les coffres. Et c'est peut-être ça qui fait un petit peu étrange. Mmh. Après, il faut pas oublier quand même qu'on est dans un environnement 2D et qu'on se la joue un peu old school, genre Zelda. C'est A Link to the Past. Donc si je prends... des images de Zelda A Link to the Past, est-ce qu'on se retrouve pas avec les mêmes problématiques, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de vouloir réinventer l'eau chaude, quoi, je veux dire? Ouais, après, faut pas que vous preniez trop la tête là-dessus. Hein. Je trouve tu que vois, ça va encore. Regarde, par exemple, là, si on prend cette image-là, avec la maison. Regarde la taille de Link par rapport à la taille de la maison. La maison, elle fait rikiki, quoi. Parce que nous, on n'est pas sur de la 3D comme ça. Là. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça aussi, quoi. D'ailleurs, c'est chouette. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. T'as pas un village, un truc? Avec des coffres, je sais pas quoi. Alors, regarde la taille de la maison par rapport à la taille des bonhommes, quoi. Ouais, tu vois, enfin, t'as aucune proportion en fait, quoi. Les proportions sont quand même vachement déformées. Ouais. Si je prends un autre truc. Secret of Mana. Regarde la taille des arbres. Ouais, les arbres, ils font la taille d'un bonhomme, quoi. Ouais. Alors qu'ils sont censés être 3 fois ou 4 fois ou 5 fois plus grands, quoi. Là, les portes, c'est différent. Mmh. C'est flou. Mmh. Ouais, c'est pas... Ouais, est-ce qu'on se prend pas la tête pour pas grand-chose? Les proportions ne sont pas cohérentes, mais par contre, leurs textures, elles le sont. Et merci pour le follow, Yannick Félix. Il y a un compromis obligatoire, mais tu remarques que le personnage garde la même hauteur que la porte d'entrée, ça choque pas en vrai. Ouais, donc en fait, il y a peut-être ça aussi, c'est que là, on travaille sans être sur Round 20. Ce sera peut-être aussi l'inverse, c'est-à-dire adapter la taille de ton personnage au rendu, tu vois. Ouais. Après, il est vrai que la table de craft fait petite par rapport à la porte. Ça, c'est vrai. Dans Minecraft. La table de craft, faudrait qu'elle soit que le haut il soit un demi, enfin il soit 16 pixels plus haut en fait, si on est logique, quoi.
Je dirais 8 pixels de plus. C'était pas ça qu'on était... C'était pas la conclusion qu'on... à laquelle on avait abouti. Bah, et tu... oui, je suis plus trop, ouais. Mais c'est le problème d'être obligé de caler un objet sur un 32-32, en fait, quoi. Alors, en fait, du coup, maintenant, avec les... Ouais, bah si, c'est ce qu'on avait... On avait évoqué, parce qu'on était parti sur un... des objets, donc tout ce qui est table de craft, coffre, qui faisait 16 en bas, enfin, en fait, en 32-32, avec moitié-moitié, donc 16-16, et que moi, je te disais, que, enfin, ou je sais plus, voilà, qu'on avait évoqué le fait de dire, en fait, il faut que l'objet il soit plus, il soit pas en 16-16, il soit en donc 16 plus 8, 24 et 8 en haut quoi. C'est bien ça, non? Ouais. Waouh. je crois que c'est ça. Non, parce que j'ai eu un doute sur mon 16 plus 8 en fait, c'est surtout ça. 24, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouh. Mais ça va, j'arrive encore à calculer à minuit et demi. Bon, bah moi, je vais vous laisser. Je vais aller dormir. Bonne nuit, Grévy. Ouais, même pas. Bonne nuit. Même pas David Tranché, bonne nuit. On va pas tout changer. Je pense qu'on va rester sur les objets tels qu'on les a faits, tant pis. Bonne nuit, Mathis. Je pense que même s'il y a une légère incohérence, tant pis, c'est pas... Ouais. Je pense qu'on en revient à ce qu'on disait, à ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, on est dans l'univers Minecraft. Oui, là, c'était plus sur la cohérence visuelle qu'on parlait. Ouais, bah ouais. Après, si on trouve que la table de craft, ou par exemple, moi je trouve que là, c'est ce que je vois, la bibliothèque, elle fait trop petite, eh ben on agrandit, quoi. Voilà. Peut-être pas autant, tu vois, mais... Ah, mais ça sera forcément une version Agfa indéfiniment. Bonne nuit, sorcière. Ah non, tu dis ce bonne nuit. Là, elle est pas mal, la table de craft. Là. Elle est mieux, ouais. Et ça fait un bloc qui fait combien, vu de nez? Bah, je sais pas. Ouais, t'as pas les dimensions. Non, j'ai pas les dimensions. 40 sur 40. Ouais. Grosso modo, en arrondissant. Bah, 32 plus 8. Ouais. C'est ça. Ah, Charivari préfère la petite, tu vois, bizarrement. Sur la tour, tu préfères la petite. Ouais, mais sur la tour, la petite, elle est logique. Parce que... Ouais, non, c'est vrai qu'en plus, elle a raison, tu vois, sur... Mais parce qu'en fait, la table de craft sur la tour, elle est entre guillemets plus éloignée que nous. Non. Plus éloignée de nous. Non, je pense que sur la tour, la table de craft, elle est devant un bloc qui a la même proportion. Alors que donc, là, devant la porte, la table de craft n'est pas devant un objet qui a la même proportion. Donc c'est N qui est dans la proportion en fait. En fait, la porte, elle devrait être plus petite. Ça, on l'avait déjà dit. Hein. Non, mais la porte, faut pas qu'elle soit trop petite. Faut la réduire en hauteur. Ouais, sauf que si on la réduit en hauteur, ça fait une porte très trapue, en fait. Ça fait bizarre. Ouais, bah ouais. Mais parce qu'en largeur, elle est bonne, en fait. Si on est logique, en largeur, elle est bien. Oui, oui. De toute façon, si on la réduit en largeur, on va avoir le problème que visuellement, on peut pas faire passer une caisse dans la porte, tu vois. Alors que là, on peut.
Mais tu peux la réduire de toute façon, toi, sur le logiciel directement. La porte, oui, mais. Oui, mais j'ai pas envie. Non, c'est pas ça. Pardon. C'est qu'en fait, là, je peux pas la réduire. Parce que là, je l'ai mise comme un. Je l'ai pas mise comme un objet, je l'ai mise comme une texture. Ah oui, ok, d'accord. Donc, après, je peux changer ça, hein. C'est pas du tout un problème. Il suffit que je mette ça. Et après, je la mets sur un objet. Comme un objet, en fait. Ouais. On revient au débat hein, qu'on avait. Oui, oui, non, mais oui, architecture, bah oui, bah oui. Mais en fait, quand c'était juste, quand je te demandais, c'était juste pour pouvoir redimensionner directement dans le jeu et puis essayer de hop. Voir quelle proportion ouais. était mieux, tu vois. Donc là, tu vois, là, je l'ai mise en tant qu'objet, donc je ouais. peux la réduire. Et donc, si tu me la retouches. Alors, non, justement, c'est ce qu'on disait, faut pas que tu la réduises en largeur, faut que tu la réduises qu'en hauteur. Ouais, mais on perd la proportion après. Voilà, regarde, elle est un tout petit peu réduite, elle passe plus à côté de la table de craft. Ouais, là, ça marche. Tu vas me dire, là, ça match, hein. Ouais, le problème vient du fait que la porte, tu la regardes de face, alors que la table de craft, tu la regardes moitié du dessus. D'où le problème de taille. C'est fait. Donc après, effectivement, alors... je peux réduire la porte. Ah non, je peux pas réduire. Ah non, tu vois, là, je peux faire... Que des réductions. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, quoi que. Non, ça fait que des réductions proportionnelles, je sais pas. Peut-être qu'il faut que j'appuie okay. sur une touche. Non. Non. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir sélectionné les deux blocs en même temps qui te fait ça? Parce que comme t'as les deux blocs de sélectionner, là, tu t'en prends que un. Oui, sauf que c'est pas pratique. Ouais, non, mais bien. Je m'en doute un peu, mais. Mais effectivement, ouais. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je. J'aurais tendance à... Ouais, mais non, mais c'est moche, en fait. Mais tu vois, c'est moche, hein. Ouais, c'est moche, ouais. Parce que... Bon, là, j'ai fait ça à l'arrache, mais... Il repart à zéro. Après, moi, ce que je voulais te proposer, mais bon, après, ça impose encore de faire des textures, etc., c'est de me dire, si la porte, parce que la porte, elle est vraiment, par rapport au mur, elle est vraiment contre le mur, entre guillemets. Mm-hmm. Est-ce que si on a décalé un peu dans le mur, visuellement, tu vois, est-ce que ça marcherait pas mieux? Tu veux qu'on l'épaississe? En fait, c'est pas épaissir la porte, c'est creuser le mur pour mettre la porte dedans. Ouais, je vois ce que... Ouais, mais... Non, on va pas se prendre la tête à faire ça. Mais regarde, là, je l'ai un tout petit peu rétréci, la porte, ça passe mieux. Ouais, et ça marche. Ouais. Elle fait combien au final, alors? Juste pour avoir une idée des tailles. Là, elle est à 26... Elle est 27-27, donc 28-28, on va dire. Ouais, 28-28. On n'a pas de pixels, quoi. Ouais, on a enlevé 4, quoi. Alors les personnages sur Roll20, ils seront exactement comme je voudrais les faire. C'est moi qui les ai faits. Donc là sur Roll20, actuellement, je les avais faits... non, c'est pas ça. Ouais, si, hein. Voilà, je les avais faits comme ça, mais je les ferai pas comme ça là, pour le coup. Je les changerai. Je les ferai plus... Faudrait que je les refasse en fait. Non, mais en réduisant un peu la taille de la porte, ça passe. Mais, c'est là où je vais mettre un mais. Comment on peut arriver à intégrer des portes donc de, on a dit 28. Non, c'est combien tu m'as dit? 28. 28 par combien? Sur 28, donc sur 56 en fait. Si tu multiplies ouais, 28, par deux blocs. 28 par 56 sur notre 32-32 en fait, on est toujours sur le même problème quoi. Bah là en fait j'ai mis la porte en tant qu'objet, donc je fais ce que je veux, je la mets où je veux. Ouais. Donc en fait il faudrait que je fasse les portes comme des objets en fait. Donc ça, voilà, les portes il faut que je les mette dans les objets. Dans les objets, ok. Et donc ça veut dire faire tes portes, il faut que tu aies du vide autour quoi.
Comment ça? Du vide autour? Bah, tes objets, ils sont bien sur un quadrillage en 32-32. Oui. Tes portes, quoi, vont faire 28 par 56. Ah donc, oui. Ah oui, pour que tu voulais que j'ai pas besoin de les redimensionner, c'est ça? C'était pour éviter de les redimensionner. Pour, bah d'accord. Oui, pour moi, faut que tu les... faut pas que tu les redimensionnes quand tu les mets en jeu. Ouais, d'accord. Oui. Oui. Ça paraît, bah, je sais pas, ça me paraît plus simple, non? Oui. Après, il faudra peut-être faire la même chose sur les lits, par exemple. Peut-être aussi. Que tu vois là, les lits. Attends. Hop. Ah ouais, oh que oui. rien que oh, tu vois, il fait énorme, quoi. Pas trop choqué, moi, mais bon. Et redescends-le dans l'image, voir. Parce que, on a aussi... Faut aussi penser qu'on est, Moi, ça me choque pas, le lit. Hein. Ah si, il est gros, non? Ah ouais, ça te choque pas, chérie Marie? Ah, ça me choque pas non plus. Parce qu'en fait, si on est logique, ton lit en largeur, il est censé être aussi large que la porte ou la table de craft, et j'ai l'impression qu'il fait plus large, non? Il est plus large. Il est plus large, ah là, on est d'accord. Il fait 32 de large. Ouais, sur les lits, on n'a pas été retouchés. On n'est pas passé en 28 sur les lits. Par rapport aux autres objets. C'est ça qui n'a pas été fait. Mais en 28, tu vois, ça me choquera pas. Ouais, mais t'es à 4 pixels. Et 4 pixels, c'est... ouais. 4 pixels. Bon, enfin, bon, le lit, c'est un détail. Enfin, c'est un détail. C'est... Ouais, non, mais... Pour aller faire, quoi. Bon. Donc, les portes, on va les basculer en objet. L'avantage, c'est que ouais. Là, tu vois, dans l'architecture, on avait mis les blocs en double, les portes en double, pour les avoir soit sur des blocs pleins, soit sur des demi-blocs. Et ça, ça sera plus utile. Non, donc tu gagnes tout ça. Et, Alors, et en fait, une dernière question. Du coup, la cobble, la stone brick, on la laisse comme ça? Ouais. Par contre, la cobble, on la laisse comme ça. Moi, je garderai les deux textures comme ça. Donc, en fait on va vraiment faire au cas par cas. Les deux fonctionnent, quoi. Ouais, pour moi, il faut faire du cas par cas. Parce que là, si je prends la porte, du coup... Alors, attends. Si je remets de la stone brick... de la cobblestone, je veux dire, et que je prends la porte. Ouais, ça choque pas. Non, ouais, ça marche. Ça choque pas. Par rapport à la taille de la cobble. Non, ça marche. Ok. La cobble, pour moi, la cobble a cet avantage, en fait, d'avoir... Des petits rochers. En fait, ouais, c'est ça, c'est les rochers, donc c'est pas une texture qui est en... Enfin, c'est du répétitif, mais sans net vraiment, tu vois. Enfin, c'est du répétitif, mais pas linéaire. Pour dire comme... ouais. Donc ça veut dire que par exemple sur la sandstone brick, j'ai plus comment ça s'appelle, faudra faire comme la stone brick. Ouais, par contre, sur le sable qui ressemble un peu à de la cobble, là, je sais plus les noms, là, j'avoue, je me perds. Sandstone tout court. Sandstone. En fait, attends... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La sandstone et la sandstone... dur, lisse. Ouais, c'est ça, smooth, ça me semble. Ouais, je l'en mets, c'est pour ça. Ouais, enfin, Mickaël l'a mieux résumé que nous. Tout ce qui est type brique, faut faire comme la stone brick. Et tous les autres, on fera plutôt comme la cobble, je pense. C'est ça. Sur ce qui est lisse aussi, je pense que sur tout ce qui est... Eh, Mickaël, t'as gardé bien parti, tu sais ce qu'il te reste à faire pour le prochain live. Bon, on va s'arrêter là d'ailleurs parce qu'il est tard. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, beaucoup de prises de tête, mais franchement, encore une fois, ça prend du temps, mais après, ça nous en fera gagner. Donc, en fait, c'est ça, c'est beaucoup de prises de tête. C'est de la prise de tête pour prendre les bonnes. Enfin, tenter de prendre les bonnes décisions, en fait. Et les bons compromis, on va dire, parce qu'il y a forcément des compromis sur le projet. L'idée, encore une fois, c'est que ça fasse un peu Minecraft. Je pense qu'on y arrive là quand même. Ah bah. Oui, je. Ouais. On n'a pas encore bossé sur les escaliers. Preuve... T'imagines comment on se prend la tête sur les escaliers. On a preuve qu'on y arrive parce que dans le chat tout à l'heure, il était question de. Il y a quelqu'un qui demandait si c'était un jeu de.
De mince, je suis en train de chercher son pseudo de. Ah purée, je l'ai bouffé. Je sais pas de quoi tu parles. Je suis perdu, il est trop tard. Il est trop tard. Non, en plus, moi je suis content de l'effet qu'on a réussi à faire au début du stream sur la flotte, où je trouve qu'on a amélioré la texture de flotte par rapport à la dernière fois. C'est vrai. Donc ça c'est un bon plus. On a intégré tous les blocs que Mickaël nous avait fournis, donc bon, c'était rapide mais il fallait le faire, c'est très bien. Et on a amélioré la gestion des murs, ce qui était l'objectif du stream. Donc après maintenant il ne restera plus qu'à faire les murs en série pour ajouter de la variété. Et ce qu'on fera sûrement la semaine prochaine, c'est qu'on essaiera tout ce qui est bois. Parce que forcément, on va rester dit, sur les... architecture médiévale dit colombage, enfin comme dans Minecraft, quoi, poutre en bois. Donc ça va falloir voir comment on le fait. En faisant des escaliers vus du dessus, en courbé, en pente. C'est ce qu'on va faire. On va rester sur les blocs dans un premier temps avant d'attaquer les escaliers. Hein. Ouais, mais pour faire les toits, je crois qu'il nous faudra des escaliers. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. On n'a pas fait les dalles non plus. Hein. Les dalles, elles vont faire Je te dirais que les dalles, c'est presque moins inquiétant parce que c'est des blocs. Enfin, toi, c'est des blocs plein entre guillemets, quoi. C'est des demi-blocs pleins, quoi. Ouais. C'est une demi-dame, pardon, demi-bot. Des escaliers à l'attaque, c'est ça. Non, mais voilà. Bon, ça rend bien, moi je suis assez content. Quand même. Non, c'est vrai. On progresse, hein, à chaque stream, on avance. Ouais. Et puis après, vous verrez quand on fera des streams où on s'occupera plus de créer les graphismes, enfin, les textures, mais on fera les scènes, ça sera joli, je pense. Ajouter des petits détails et tout, ça ressemblera à du Minecraft, mais en 2D, ça sera sympa. Mais pour ça, il faudra que tout soit prêt avant. Une grosse partie, disons. On pourra faire des choses avant que tout soit prêt, mais il faudra quand même qu'il y ait une grosse partie. Non, mais je sais plus qui c'est qui disait « Ouais, est-ce que vous prévoyez de rajouter des rochers, des herbes, etc. pour décorer ?» Ah ouais. Ça serait bien, mais voilà, quoi. Bah, les rochers, ça sera pas dur, on fera des blocs de stone. Hein. Ouais. Pas dur les rochers. Oui, parce que je pense, enfin, la personne pensait plus, je pense qu'elle pensait plus petits rochers, tu vois, alors que nous, on essaiera de rester dans le cube. Quoi. Regarde, moi je t'en fais, hein. Regarde, attends, faut que je me mette sur le bon. Ah bah non, je peux me mettre sur un objet. Hop, regarde, je vais t'en faire, moi, des. Ah, vous en voulez, je vais t'en faire, moi, du rocher. Voilà. Ah non, attends, non. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Pas pris le bon. Voilà. Bon, en même temps, tu vois ta dingue de roche? Mais non, ça c'est un bloc. Bah oui, non, mais à côté? Ah oui, non, d'accord, t'as un bloc et deux blocs, ok, pardon. Voilà, regarde, je t'en ai fait, moi, un rocher. Ouais. Des boutons comme rocher, qui dit une cave, ouais, bah oui, en effet. Non, j'ai fait une bêtise. Oh! Ah, j'ai fait n'importe quoi. Tout cassé. J'ai tout cassé. Non. Parfait. Attends, on recommence. Je vais y arriver. Voilà. Toi, je voulais te mettre devant. Voilà. Oh non. Non. Il y a un léger défaut. Et voilà, on a un rocher au milieu de la flotte. C'est type pas beau. Ouais, parfait. Que demande le peuple, quoi. Ah, il voulait des rochers, voilà. Bon, allez. Charivari. Il est 1h du matin presque. Charivari nous fait un... C'est pas mal. Je c'est pense mal. Qu'il est donc... temps de clôturer ce stream. Exactement. Bon, un énorme merci Mimich, un énorme merci Mickaël. Merci à tous dans le chat d'avoir eu la patience de suivre ce stream.
Bon, je vois que ça vous plaît quand même, ça me fait extrêmement plaisir, moi je m'amuse beaucoup à faire ça, même si on a l'air de se prendre la tête, c'est quand même très plaisant, et du coup, bah voilà, on crée un truc qui change aussi un petit peu, tout en restant dans l'univers de Minecraft, j'aime beaucoup. Bonne nuit à tous, merci encore aussi pour la modération, Charivari. Merci à tous. Demain soir, on est quel jour demain soir? Bah, pas de stream parce que je serai en jeu de rôle pour le coup de mon côté. Donc on se retrouve dimanche pour du No Man's Sky. Bon week-end à tous, bonne nuit et à dimanche. Ciao ciao ciao. Bonne nuit à dimanche. Ciao.